Bonjour à tous, bienvenue sur Angers Télé. Pour la première fois, notre chaîne vous propose une diffusion d'une rencontre, de plusieurs rencontres, même de bowling, puisque une épreuve internationale s'est arrêtée au Silver Bowl de Beaucouzé le 8 octobre dernier. À mes côtés, pour commenter ces matchs, l'organisateur de la manifestation, Bruno Bidon. Bonjour. Bonsoir. Bruno. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et Maurice Lesourd, membre de l'équipe de France il y a quelques années, ancien international de bowling. Et vous jouez toujours, Maurice, à l'Angers Bowling Club. Toujours, voilà. Bon. Bonsoir Thierry. Bonsoir à vous deux. C'était la première fois, hein, Bruno, je ne me trompe pas, qu'une manifestation de cette importance s'arrêtait dans notre région. À Angers, oui, c'est une première étape cette année. Et ça s'est très très bien passé. On a eu un super accueil au bowling, au Silver Bowl d'Angers. Et je pense qu'on va reconduire l'opération l'année prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maurice, vous êtes régalé C'était, à voir ces champions. Ouais, c'était magnifique. Vraiment, c'est un très beau jeu, une technique assez surprenante. Chez les femmes aussi, c'était vraiment très très beau. Deux jeunes filles qui sont vraiment avec un style époustouflant. Encore une fois, je dis, c'est un sport. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Avant de voir les jeunes filles, on va regarder les garçons. Il s'agit du Master avec ces garçons, les meilleurs Européens, enfin certains d'entre eux en tout cas. Il s'agit celle-là de l'épreuve individuelle. Hein, Bruno, on rappelle que Angers, c'était la fin d'une étape régionale. Exact. Donc là, c'est le Master avec le Hollandais Phil Hulst qui a 22 ans. C'est sa cinquième participation à cette compétition. Il est rodé hein, chez nous. Et on attaque le match dès la 9e frame. Donc c'est la fin de ce premier match. Avec un strike. Dites, quand vous appelez, quand vous dites une frame, il s'agit d'une partie Voilà, une frame, en fait, chaque partie de bowling se décompose en 10 frames, ouais. 10 coups si vous voulez. Et si vous ne vous abattez pas les 10 kicks du premier coup, vous avez le droit à un deuxième lancer, ce qui s'appelle un spare. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle la partie de bowling se décompose en 10 frames. Très bien. Alors, ce garçon-là, vous le connaissez un peu? Très bien, hein. Ouais. Il a commencé la première étape, la première année du moins. Il a été invité, il est venu, il a gagné le titre contre un joueur professionnel américain. C'était à Châteaubriant en 2010. Et il est toujours revenu puisque il a toujours été réinvité, il a toujours gagné un titre. Et il a vraiment un style super. Et il a très grosse action, sa boule est très rapide et elle mélange très bien les quilles. Alors on va parler avec vous, Maurice, de l'aspect plutôt technique de ce sport. Oui, c'est un véritable sport, le bowling, puisque ce sont des athlètes même de haut niveau que nous avons là sur l'écran. Ils ont tous la même façon de jouer, de lancer. Il y a une école internationale pour lancer, parce qu'on a tous lancé un jour une boule de bowling. Eux la lancent particulièrement bien. Est-ce qu'il y a une technique identique pour tout le monde? Oh, non, la technique, d'ailleurs, on le voit très bien là, sur les images entre Phil avec un backswing qui va très très haut. Alors backswing. Backswing, donc c'est par analogie au golf par exemple, où vous avez le bras qui monte derrière. D'accord. Et on voit Victor là qui est en train de prendre sa boule, qui lui a un backswing qui est beaucoup plus modeste. Par contre après c'est vrai qu'au niveau des lâchers de boule, il y a différentes écoles. On a eu les écoles américaines qu'on appelait les crankers, avec des joueurs qui ouvraient la main derrière pour revenir beaucoup plus fort, qui jouaient avec la partie du haut du corps. Enfin, il y a plusieurs écoles. Bon, nous, on a eu l'école, enfin, on a toujours l'école française de bowling. Bon, c'est un apprentissage très, très classique. Mais là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand vous prenez un garçon comme Phil, c'est impressionnant, quoi. Nous, on l'a vu de près. Il est vraiment, c'est un athlète, quoi. C'est vraiment. Et on voit la puissance de la boule, comme disait Bruno tout à l'heure. L'impact dans les quilles est très, très important. Et là, oui, le résultat du premier match, hein, 228-189. Donc, Phil Hulst va jouer en quart de finale contre ce joueur russe, Nikita Koshilev. C'était sa première participation. Et il est membre de l'équipe de Russie. Il a 31 ans. Et donc, un style beaucoup plus coulé. Vous allez voir la différence. Voilà. Beaucoup plus fluide. Mais ça n'empêche pas de faire tomber les 10 quilles. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de faire tomber le maximum de quilles du premier coup, c'est-à-dire de faire un strike. Exactement. Avec une possibilité pour tous ces garçons, probablement, de faire 10 ou 12 strikes de suite. Exactement. D'ailleurs, il faut enchaîner des strikes, c'est comme ça qu'on fait le plus de points. Et là, vous avez vu, on a vu un tableau de score très furtif. Par exemple, Nikita Koshilev vient de faire un triplé. Et là, il va peut-être jouer un quadruplé. Donc, il prend vraiment une option sur ce match. Et vous voyez, il se concentre beaucoup plus longtemps, en fait, entre chaque lancer. Quand vous enchaînez les strikes, vous vous concentrez beaucoup plus, puisque le score augmente de plus en plus vite. Donc voilà, là, il est très concentré. Et vous allez voir que normalement, s'il est bien dans sa ligne de jeu, s'il est bien calé, là, la boule est bien partie. Et c'est un strike parfait. Maurice, vous êtes des machines, ces garçons.
Oui, bien sûr, oui. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de techniques de jeu, on voit là une nette différence entre Phil et Nikita. Nikita qui a un jeu beaucoup plus simple, alors que Phil, c'est vraiment un jeu très, très athlétique. Mais après, ça reste quand même avant tout un jeu de précision. Et il faut mettre sa boule dans la poche, hein, ce qu'on appelle la poche. Donc, on pourrait être très technique, c'est la 17e latte avec un angle de 6 degrés. Enfin bon, c'est. Mais. On rentre dans la haute précision. Oui, là, c'est la haute précision. Mais parlez-nous justement un petit peu de ces boules de bowling. Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes? Combien de poids font-elles? Alors, les joueurs, par exemple, Phil jouent en 16 livres, c'est le poids maximum. C'est environ 7,257 kg. Très précisément. Très précisément, ouais. Puisque c'est un beau bébé, hein, comme on dit. Hein, il fait 1m90 et 90 kg de muscles, hein, je précise. Parce Et en fait, Nikita Kochelev joue en 15 livres. Donc, ça dépend de la morphologie du joueur. Et les joueuses que nous allons voir après jouent en 14 livres. Voilà. Ce sont des boules que l'on trouve dans le commerce où ces garçons se font faire. Leurs boules sur mesure. Alors, elles arrivent sans trou, elles sont percées sur mesure à la main du joueur. D'accord. Et vous avez l'équilibrage. Alors là, par exemple, il a joué la boule de spare. Vous voyez, il a laissé trois quilles sur le. Il y a une boule pour le strike, une pour le spare. Exactement. La boule de strike est plus tendre. En fait, c'est ce qu'on disait hors antenne. La boule de spare est un peu plus tendre. Elle a plus de friction sur la piste, puisqu'il y a de l'huile sur la piste. On n'a pas encore développé le sujet. Et il y a une partie où il n'y a plus d'huile sur la piste. C'est environ, on va dire. Pour les néophytes, le huilage recouvre trois quarts de la piste et le dernier quart est dégraissé, il n'y a pas d'huile. Et la boule de strike adhère donc sur cette partie, il y a une friction et les bons joueurs, justement, ils utilisent la partie de la piste qui est la plus propre pour choisir le break, le point de cassure. Alors Maurice, on le voit, chaque joueur a sa technique. Par contre, on le voit sur ces images, toutes les boules prennent à peu près la même direction, ça part plutôt de la droite pour rentrer ensuite vers la gauche avec un petit effet, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, parce qu'en fait... C'est quoi, c'est le poignet qui donne l'effet final? Oui, il y a ce qu'on appelle le turn, où la main va légèrement tourner, va passer sur le côté, et il y a le lift, voilà. Ouais. Donc comme les anglo-saxons disent, turn and lift. Et donc c'est vrai qu'on est obligé, à ce moment-là, d'envoyer la boule légèrement sur la droite, pour qu'elle revienne justement avec ce fameux angle de 6 degrés dont on parlait tout à l'heure. Parce que si on joue avec une boule qui va parfaitement droit, par exemple quand vous prenez une boule du râtelier, si vous la jouez, elle va avoir très peu de rotation cette boule, donc elle aura une trajectoire parfaitement rectiligne, et l'angle ne sera pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a inventé ce jeu en fingertip, ce qu'on appelle, enfin les anglo-saxons appellent ça le fingertip, parce qu'on tient la boule qu'avec le pouce et la première phalange des deux doigts, et ce qui va permettre de donner la rotation et justement d'avoir ce fameux angle d'à peu près 6 degrés au moment de l'impact dans les quilles. Alors là, c'est une confrontation entre deux hommes. Chacun est dans sa bulle, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de parole. On a le droit quand même de s'exprimer un peu dans ce jeu? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, là, c'est une compétition donc européenne qui fait partie du calendrier international. Il y a quand même des points à prendre. Il joue très sérieusement. C'est la partie, comme on disait, du master. Le double mix est un petit peu plus décontracté, le double aussi. Mais là, bon, c'est là qu'il y a plus de points, un peu plus d'argent aussi à gagner. Et les joueurs quand même jouent vraiment au maximum. Là, ils ne font pas de cadeaux. Et là, Kochelev, s'il continue en strike, prend une option sur le match. Et voilà, il continue. Un petit point sur les scores. Vous voyez, il a plus 14. Et il vient d'enchaîner 3 strikes. Et malheureusement, Phil Holst, on l'a vu tout à l'heure, il a fait 7 et 2. Il a fait un trou, une open flame. Et il est un petit peu en retard. Donc Nikita Kochelev, normalement, devrait se diriger vers la demi-finale. Il a mis la pression psychologique. Ça se joue beaucoup dans la tête. On l'a dit, c'est un sport. Ce sont de véritables athlètes. Mais il y a une part de psychologie également très importante, Maurice. Ah oui. C'est d'ailleurs, moi je me souviens à une époque, j'avais beaucoup travaillé sur la sophrologie dans le sport, avec tout un tas de points particuliers, comme par exemple la gestion des temps morts. C'est-à-dire que c'est un sport où on a des temps morts. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps morts? Il faut surtout rester concentré, éventuellement analyser la boule précédente si on a fait une mauvaise boule, se dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi. Ma boule a fait cette trajectoire-là, essayer de corriger le plus rapidement possible. Et surtout ne pas se mettre la pression non plus. Hein. Il faut rester concentré, mais sans être stressé. Quoi. C'est un sport. Hein. La dimension physique du bowling n'est pas aussi importante qu'un haltérophile.
Mais il y a une composante malgré tout physique parce que c'est la boule est lourde, ça peut durer longtemps les matchs. C'est une répétition. C'est une répétition. Et puis il y a donc la composante physique et mentale qui sont très importantes, quoi. Il n'a plus droit à l'erreur là, notre ami. Filleul s'est condamné, j'allais vous dire justement, à finir en strike. Mais en grand champion qu'il est, vous allez voir, il va le faire parce que il a déjà calculé. Vous voyez, regarde les scores en haut, là, on voit ses yeux. Il est un peu déçu parce qu'il sait que le match, son destin n'est plus entre ses mains. Mais il va obliger à Nikita à faire une marque. C'est-à-dire, sur son dernier coup, il va l'obliger quand même à pas faire une rigole. Bon, à ce niveau-là, ça n'arrive pas. Mais voilà, en grand champion, il va faire le maximum. Je pense qu'il va terminer en strike. Il va faire le travail, comme on dit. Et il va obliger Nikita à faire une marque, à faire au moins un spare sur le dixième coup. On va voir ça tout de suite. Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait. Ça paraît simple, hein, mais dis à nos téléspectateurs, allez faire un tour au bowling. Parce que la piste fait de la ligne de faute à la première quille environ hein, 20 mètres. Et vous pouvez aller. Les pistes réglementaires, ce sont les mêmes partout. Partout dans le monde, oui. Et en fait, pour vous donner juste un ordre d'idée aux téléspectateurs, on peut aligner 4 boules et demie sur la largeur. Et c'est pour ça qu'on appelle, nous, à un certain niveau, on parle de ligne de jeu. Parce que le joueur, là, vous voyez, il regarde, il se positionne dans l'espace. Donc, vous voyez, on va bien analyser ça. Vous voyez, il se positionne, il se prépare. Là, il va regarder le fond de la piste. Vous allez voir son regard. Il regarde le fond, là. Il est au fond. Il trace une ligne du fond jusqu'à lui. Il la visualise. Il la visualise. Et il marche. Voilà, vous voyez, il marche dans la ligne. Et les repères où il y a les flèches, c'est juste pour poser la boule. Et ça va tout seul. Alors, ça paraît facile, bien sûr, quand je vous dis ça. Mais c'est vraiment beaucoup de travail pour arriver à ce niveau. Quand je disais tout à l'heure pour rigoler que c'était des machines, c'est quand même un petit peu ça, à force de répétition. Ah, oui, mais je crois que c'est dans beaucoup de sports comme ça. Le joueur de tennis, le joueur de golf, c'est aussi répétition d'un geste avec une précision très, très fine. Hein, un joueur de golf, la balle, elle n'est pas grosse. Et il faut qu'il la touche, la balle. Pour revenir à ce que disait Bruno là, concernant le visuel, on peut faire, moi je sais que je le pratique beaucoup, c'est l'imagerie mentale, quoi. C'est-à-dire faire défiler. Quand je discute avec certains élèves et que je leur dis, voilà, moi quand je vais sur la piste, je dis je vais faire tel lâcher, parce qu'on peut faire différents lâchers de boules, je mets en route ma vidéo dans la tête et je vais reproduire le geste en fonction de ce que je vois passer dans ma tête, quoi. Il se tape dans les mains, hein, il n'y a pas de souci, bravo, bien joué chef, mais je vais finir quand même. Voilà, mais alors c'est intéressant, on est sur la dixième frame, donc Nikita Koshilev sait exactement ce qu'il doit faire, il prépare. Alors une autre chose pour les téléspectateurs, pourquoi il essuie sa boule? Là vous voyez, il essuie sa boule parce qu'il enlève l'huile en fait de la boule, et les boules de strike sont, comme je vous disais tout à l'heure, sont plus tendres, et l'huile en fait pénètre dans la boule. Donc il ne faut pas justement qu'on arrive à avoir beaucoup d'huile dans la boule, parce que la réaction de la boule dans les quilles est après pas très bonne. Donc c'est pour ça qu'ils essuient à chaque fois leur boule. Et là, Nikita sait qu'il doit faire au moins un spare. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et il laisse une quille à quille 7. Alors attention, hein, il faut quand même qu'il fasse le spare pour aller en demi. Donc, il la laisse pas. Il aurait bien voulu faire un strike. Là, oui, bien sûr. Et là, vous voyez, il parle avec Filleul, hein, son adversaire. Ouais. Bon, ils ont beaucoup de respect entre eux. Et il lui a dit, là, parce que nous, on était sur place, il lui a dit je la rate pour qu'on fasse égalité. Mais il va la faire, hein, vous allez voir. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ce n'est pas les plus difficiles, celles-ci, quand elles sont. Enfin, pour les ça peut être les plus difficiles. Oui, ça peut être les plus difficiles. Et puis là, en plus, là, il y a quand même un peu de stress, parce que. Ouais. Il ne faut pas qu'il. Oui. Bon, ceci étant, il y a quand même, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on a 52 cm pour louper la quille seule, c'est-à-dire deux diamètres de boule. Exactement. Plus le diamètre de la quille. Donc ça laisse quand même à ce niveau-là, bon, la marge est importante. Et là, vous avez vu, il a fait le spare sans problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change de boule, vous avez remarqué, ouais. Il joue avec une boule jaune. Parce qu'il essaye, pour la demi-finale, une nouvelle stratégie. D'accord. De piste. Et là, il a pris une boule plus roulante. Vous avez vu, elle est roulante, la boule. 247, 234, plus 13. Bravo à Nikita, et il élimine notre collègue Phil Holst qui reste en quart. Bon, c'est des bons scores ça? Très bons scores, ouais. C'est des scores professionnels, il n'y a pas de problème. Professionnels justement, ces garçons en vivent? Alors ce sont des semi-pros, et nous justement notre souhait c'est que le bowling, grâce à sa médiatisation, à la communication, puisse attirer un petit peu plus de foule et de partenaires. Et voilà, on est très content en tout cas que Angers Télé diffuse ces images. Un nouveau joueur sur la piste. Julien Serment, voilà. Alors c'est notre Frenchie, hein, comme on dit. C'est le seul Français de la finale télé. Alors on est tous avec lui, bien sûr. Et il est membre de l'équipe de France. Donc, il a quand même pas mal d'atouts dans son sac, hein, comme on dit. Et c'est un joueur, nous, c'est la première fois, hein, qu'il venait à notre compétition. Il est très sympa en dehors des pistes, ouais. En plus. Donc on a passé vraiment des super moments ensemble.
Et il voulait vraiment gagner, donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Bon, là, c'est parti pour un spare, sans trop de problèmes, une petite quille à droite. Ah, sans trop de problèmes. Pour lui qui numéro 10, elle n'est pas facile à faire pour un droitier. Oui. Elle n'est pas facile à faire. Alors là, voilà, il y a... Là, en tout cas, le match vient de démarrer, donc on est au début du match. On va voir l'intégralité. Et vous voyez, on disait tout à l'heure, donc Nikita Kochilev, le joueur russe, a changé de boule. Il a essayé la jaune, voilà, et il a gardé. Voilà, exactement. Il a choisi cette option. Alors, est-ce que ça va être payant? On va voir. En tout cas, sur aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils alternent. Ils jouent sur deux pistes, hein, vous avez vu. Et donc, cette piste, il a trouvé tout à l'heure. Donc, si c'est, il est calé, normalement, il devrait encore faire un strike. C'est chose faite. Voilà. Et maintenant... Exactement. Et maintenant, sur la piste de droite... Chacun sa piste, hein, on est d'accord. Non, parce qu'ils jouent en alterné. C'est-à-dire qu'on joue sur les deux pistes. D'accord. Et donc là, maintenant, voyez, il regarde son coach, là. Voilà, il lui parle. Il lui dit, qu'est-ce que je fais? Je garde la même ou je change? Voilà, il vient de prendre une option. Donc, il lui a dit, je change. Donc, vous voyez, il ne prend pas la même boule. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, il prend une boule d'une autre couleur, de verte et rouge. Et il lui dit, voilà, je vais essayer. Regarde bien ce qui se passe. Parce que voilà, la piste n'est pas pareille à côté. Il a vu ça. Et il a changé de boule. Donc, est-ce que l'appareil fait la bonne stratégie? On va regarder. Et je vais pouvoir essayer de vous expliquer ça en image. Donc là, c'est parti. La boule est roulante, mais elle finit moins fort. Vous avez vu, il a laissé la quille 10 parce qu'elle a moins tourné à la fin. Et là, il a fait, à mon avis, le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Mauvaise, alors, mauvaise tactique. Mauvaise tactique. Il s'en veut, d'ailleurs. Il s'en veut. Donc bon, là, le spare, pour lui, c'est une formalité. Hein. Ouais, non, mais c'est des points qui filent. Exactement. Ouais. Parce qu'il sait qu'à ce niveau-là, il vaut mieux enchaîner des strikes. Donc là, il joue un spare. Donc normalement, pas de problème. Et comme disait Maurice, hein, c'est pas si simple, hein, les quilles de coin. Quilles 10. Ça, c'est la 10. Hein. Ouais, ça, c'est la 10. Oui, parce qu'on n'a pas dit combien de quilles il y avait. Il y a 10 quilles sur le pin deck. Simplement. Alors, on peut aussi... donc Bruno dit ouais, boule de strike, boule de spare. Et il y a des joueurs, dont je fais partie, moi, où on va garder la même... Enfin, si les conditions de jeu ne sont pas trop difficiles, on va garder la même boule, mais simplement changer son lâcher. Et du coup, changer la rotation de la boule et faire le spare relativement tranquillement. Donc là, les deux hommes sont plutôt à égalité. Là, ils sont à égalité, là, à peu près. Ah, mais là, vous avez vu ce strike de Julien Serment. Donc là, il a un léger avantage de 9 quilles. Je vous ai dit une bêtise, on n'a pas commencé au début du match, on a commencé à la troisième frame. Il a un petit avantage parce qu'il a fait un doublé en début de match, le Français. Mais là, visuellement... Il a la bonne boule parce qu'il a un meilleur impact dans les quilles que Nikita. Les quilles se mélangent mieux. Le bruit n'est pas le même. Et je pense que, on va dire qu'il est, son matériel est mieux choisi. Donc, psychologiquement, ça compte parce que le joueur à côté va gamberger parce qu'il sait que son adversaire a la bonne stratégie. Et on va voir si ça se vérifie encore là. Mais la boule, elle roule bien. Ouf, là, il est arrivé un peu fin. Sur la quille de tête, la quille 1. Laisser trois quilles à ce niveau-là, c'est pas bon. C'est pas très bon, mais... Ça change pas grand-chose, il va... Il devrait fermer, faire un spare, comme on dit, sans problème. Hein. C'est pas un spare compliqué pour lui. À ce niveau-là, il est rare qu'aucune quille ne tombe au bout de lancer. C'est rare, mais qu'il ça... Qu'il reste des quilles, par voilà, exemple, de lancer. Voilà, c'est assez rare. Les seules figures qu'ils ont du mal à fermer, ce sont les splits. C'est quand il y a deux quilles qui sont séparées de plus de l'emplacement d'une quille. Mais là, vous voyez, ça, pas de souci. Hop là, je vous ai dit une bêtise. Ben, il relance le russe. Il relance le russe. Il n'est pas content, là, d'ailleurs, Julien, parce qu'il sait qu'à ce niveau-là, il ne faut pas faire cette faute. Et là, par contre, il a joué son spare avec sa boule de strike, parce qu'il avait besoin d'avoir un impact suffisant, un angle suffisant pour aller chercher justement cette quille qui était derrière. Malheureusement, il l'a prise un peu trop fine et celle qui était à gauche est restée. À ce niveau de compétition, on parlait de la professionnalisation de certains joueurs. C'est en tout cas, même pour les amateurs, un entraînement quotidien en club. Exactement. Les très bons joueurs français s'entraînent entre 3 et 4 séances par semaine. Les joueurs qu'on voit à l'écran, pareil, hein, c'est quelquefois même 5 entraînements. Et ils jouent énormément en compétition. Ce qui fait la différence, c'est que ces joueurs, pour la plupart, évoluent pratiquement tous les week-ends en compétition. Il a repris la jaune. Hein. Oui, mais ça marche hein, sur la piste. Et là, il y a une très bonne action d'équipe. Ça marche sur la piste de gauche. Mais voyez, il a regardé son coach. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, tout à l'heure, il a laissé la quille 10 avec une boule qui n'a pas bien fini. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre la jaune? En théorie, c'est ce qu'il devrait faire. Eh oui, il le fait. Parce qu'il a vu que la boule finissait pas tout à l'heure. Donc, normalement, cette boule devrait mieux fonctionner sur la piste de droite aussi. Et s'il est précis, il doit enlever la quille 10.
l'instant, il nettoie la boule et vous passez aussi un petit peu vos mains sur l'air, c'est ça, vos doigts. Oui, pour sécher la main, parce que quelquefois, c'est vrai que on transpire un peu, donc il faut que la tenue de boule soit correcte. Rien n'est laissé au hasard. Ah non, 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 non. Allez, c'est parti, là, pour Nikita. Aïe, 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 il a mal joué. Oh là, en plus, c'est un split, ça, c'est un split. Le fameux split. Le 4-6, quasiment infernable. C'est très, très dur à faire. Il faut taper très fort. Faire comment, Maurice ? Vous en avez déjà fermé ? Oui, 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 bien sûr. Oui, bon, on a tous fermé, mais c'est le 4-6, celui-là ? 4-6. Ah oui, c'est le 4. Alors, dans celui-là, le 4-6, il faut vraiment la taper très fort une pour qu'elle rebondisse sur le tablier derrière. Oui, c'est le 4-6. Voilà. Et en fait, il aurait fallu qu'il la prenne de l'autre côté pour qu'elle puisse revenir vers le milieu du tapis pour éventuellement revenir sur la piste et faire tomber. Mais c'est vraiment du hasard. Les pistes sont, vous les connaissez bien, Maurice, ces pistes du Silver Ball, parce que c'est là que vous jouez avec votre club. Elles sont en quoi, les pistes aujourd'hui, en bois ? Elles sont... Ah non, non, le bois, c'est fini. Maintenant, ce sont des pistes en synthétique. Hein, Et c'est ce qui fait la difficulté, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à mon époque, les pistes étaient en bois, avec un vernis, c'était ce qu'on appelait les vernis soft. Alors le problème, c'est que c'était des vernis inflammables, il fallait resurfacer régulièrement les pistes. Et il suffisait d'une moindre étincelle pour que aussitôt ça s'enflamme. Et puis il y a des boulings comme ça qui ont pris feu. Alors c'était vraiment un autre monde. Parce que maintenant on a des machines qui huilent les pistes. À l'époque c'était le mécanicien qui mettait de l'huile sur la piste, qui étalait ça avec sa serpillière. Il mettait de l'huile le matin et puis c'était pour toute la journée. Même dans le bouling. Ah oui, oui, oui. Et c'était pour toute la journée. C'est-à-dire que le matin, on savait que la piste était grasse, que la boule n'allait pas beaucoup casser et que le soir, par contre, elle allait prendre beaucoup d'angles. Alors que maintenant, en compétition, toutes les trois parties, quand on joue en équipe de cinq, les pistes sont reconditionnées. Enfin, c'est plus le même monde. Bon, Julien, là, c'est pour lui. Hein. Pour le moment, il est bien. Il faut qu'il continue en strike. Eh bien, il continue. Parce qu'il est en train de mettre un peu la tête sous l'eau de Nikita Kochilev, le joueur russe. Et ce joueur russe, hein, qu'on connaît quand même bien sur le plan international, c'est un vrai guerrier, hein, sur les pistes. Il n'est pas très expressif, mais il ne lâche jamais le morceau, hein, comme on dit. Et c'est pour ça qu'il faut toujours l'étouffer. Hein. C'est-à-dire que Julien, on en avait parlé d'ailleurs avant ce match. Je lui avais dit justement si tu peux le prendre à la gorge, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, il a un petit avantage, Julien. Faut pas lâcher, ça fait douter le joueur russe. Oh là là, 7-10 Maurice, hein, là-dessus. 7-10, ouais. Ça c'est pas, c'est pire encore. Ça c'est pire. C'est encore pire, oui, encore pire. Ça c'est. Je l'ai vu faire une fois par un pro américain d'ailleurs, je crois. Où il suffit, bon, en effet, il faut taper une des deux quilles très fort pour qu'elle rebondisse derrière et qu'elle revienne sur la piste. Mais on va voir si ça reste vraiment du hasard. Notre ami Kochilev est capable de réaliser ce petit exploit. Il a choisi la 7. Voilà. Ouais, pas mal. Elle aurait pu revenir. Il avait bien joué quand même. Et là, voilà, il sent que c'est très, très compromis. Pardon. Ouais, la victoire va lui échapper. Là, oui, oui. Là, ouais. Il sait que c'est pratiquement fini. Hein. C'est bien ça pour vous qu'un Français. Là, on est content. Hein. Là, ça me fait plaisir. En plus, un garçon très, très sympathique. Ouais. Ouais, très sympathique. Alors, là, encore une fois, la différence de technique entre les deux, hein, qui est totalement différente. Là, un geste très très simple, une boule qui part du bas. Bon, alors, c'est sûr que là, ça c'est pas très efficace. Mais il est décontenancé même, hein, vous avez vu. Il est plus dedans. Ouais. Il est hors du match, là, en deux coups. Est-ce qu'il a essayé ses deux splits, Maurice ? Ah oui, là, il en a pris un coup. Il est totalement sorti du match. Quand la tête ne suit plus, c'est fini derrière. Oui, et puis quand on laisse un split, c'est vrai, on se pose des questions. Ouais. On se dit, mais pourquoi ? Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur dans mon lâcher ? Est-ce que j'ai plus la bonne ligne de jeu ? Enfin, c'est... Il y a une réflexion qui se fait là et qui perturbe. Quoi. Bon, ouais. Julien sait que là, à moins d'une catastrophe, voilà, il est en Julien. Parti pour remporter le Master. C'est la demi. La demi. Ouais. Et c'est quasiment sûr. En bon champion qu'il est, là, il est en train d'analyser la piste pour la finale. Donc il est en train de. Il prépare mentalement sa ligne de jeu. Toujours une anticipation. Exactement. Oui, et il sait qu'il a gagné, mais il ne va pas prendre de risque. Mais je pense qu'il a, il a changé un petit peu de ligne de jeu. Il a dû monter un peu dans la piste. Voilà, la boule finit un peu plus fort sur le bord. Voilà, là on voit le point après 8 frames, il reste que 2 coups, il a déjà 31 points, mais il a surtout 3 strikes. Ouais. Donc il a un gros avantage. C'est le garçon qui réside à Vénissieux, près de Lyon. Près de Lyon. Ouais. Belle athlète aussi. Hein. Belle athlète ouais, aussi. Ouais. Il a 31 ans. On s'entretient, on fait autre chose à ce niveau-là pour... Fitness et pas mal de footing aussi. Footing, fitness.
Musculation, non ? Un petit peu aussi. Un petit peu aussi. Si, ça dépend des joueurs. Mais moi, Julien. Je fais de la musculation, mais pas tous, pas forcément. Mais Julien Sermin a un jeu assez tonique. Il a un grand balancier, un grand backswing aussi. Et il a besoin. On le verra tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'être grand, costaud pour jouer au bowling. Tout le monde peut jouer au bowling. Ah oui. De 7 à 77 ans. Peut-être même avant, peut-être même plus tard. Oui. Ma fille a commencé à 7 ans. Ah ben voilà. Et là, on plaisantait, mais Julien a laissé un split, vous avez vu, et une boule fine. Elle n'a pas bien fini, tout simplement. Il n'a pas eu de friction en fin de piste. Donc déjà, il sait que cette ligne de jeu, il a dû faire un test, n'est pas bonne. Il va le tenter. Voilà. C'est quand même très compliqué à réussir. Enchaîner, on disait en début de transmission... 10 strikes, enfin, totalité, ne faire que des strikes, ça vous est arrivé quelquefois dans votre carrière, Maurice ? Oui, ça m'est arrivé une fois. Bruno, ça lui est arrivé aussi, plusieurs fois, je suppose. Plusieurs fois. Alors, quelquefois, on fait 300, c'est 12 strikes. Oui. Moi, il m'est arrivé d'en faire 17, par exemple, d'affilée, mais sur deux parties, quoi. Donc, ça fait quand même des gros scores, hein. On arrive à faire des séries. On a un sentiment, quoi, de plénitude dans ces moments-là, que rien ne peut vous arriver et... Bah effectivement, oui, mais le bon joueur de bowling, quand vous enchaînez les strikes, au bout de 4-5 boules, vous ne jouez pas tout à fait au même endroit, vous bougez un peu sur la piste. Et ça paraît simple quand on le dit, mais c'est vrai que si on n'analyse pas bien ce qui se passe sur le huilage, votre boule, à un moment donné, elle finit un peu trop fort et puis vous laissez une quille. Et d'ailleurs, il y a un robot aux États-Unis qui avait fait le test au bout de 11 coups. Il avait fait 11 strikes et il posait autant la boule au même endroit avec la même vitesse. Et la 12e boule, il a fait 9 parce que l'huilage a fait que la boule a été déviée. Et là, Guita Kochiliev joue sa dernière boule. Ça fait un moment qu'il n'y est plus. Mais ouais, reste encore des plus fabuleux. Mais c'est ce que dit Bruno, c'est vrai que en fait, dans ce sport, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a une anticipation permanente. On ne peut pas dire, ok, j'ai trouvé ma ligne de jeu, maintenant je suis tranquille pendant 3 parties. Non, c'est pas possible. Il va falloir en permanence réfléchir et changer des choses. Alors changer sa ligne de jeu, changer de boule, changer de lâcher, mais on ne pourra jamais faire 3 parties du même endroit. C'est pas possible. On voit ce qui se fait de mieux là en Europe. Pour devenir un bon joueur de bowling, il faut du temps. Oui, je pense qu'il faut du temps, mais après, c'est pareil, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a des... Bon, le bowling, comme on le voit là, c'est avant tout une très bonne synchronisation. Donc, on n'est pas tous égaux dans ce domaine. Il y a des gens qui sont mieux synchronisés que d'autres. Alors après, il y a des joueurs qui, en 2-3 ans, vont arriver à un très bon niveau, puis d'autres, il faudra un peu plus longtemps, puis d'autres qui, malheureusement, n'y arriveront jamais parce qu'ils n'arriveront jamais à obtenir cette synchronisation nécessaire. Mais je pense que c'est dans tous les sports comme ça, hein. Les sports comme le tennis, le golf, où il y a une synchronisation qui est très, très importante à obtenir. Et quoi qu'il arrive, sans être un champion, on peut prendre du plaisir. On a vu qu'il y avait un petit peu de chance. Oui, oui. Alors ça s'appelle un messager. C'est-à-dire que c'est la quille de tête qui est partie sur la gauche, elle a tapé sur le kickback, donc c'est les côtés de la piste, elle est revenue, donc c'est un messager parce qu'aux États-Unis, ils sont assez prophètes. Alors, c'est la quille qui vient chercher la quille récalcitrante. C'est de la poésie, en fait. Ouais. Bowling, hein. Vous avez des expressions très particulières. On connaît tous maintenant le strike, évidemment, le spare, le split et le messager. Alors, il y a la belle-mère aussi. Et où est-elle? Alors, la belle-mère, c'est quand vous avez deux quilles. Alors, la quille numéro 2 et la quille numéro 8. Donc, en fait, les deux quilles sont l'une alignées l'une derrière l'autre. Et c'est pas facile, il faut encore une fois avoir le bon angle d'attaque de la boule pour arriver à faire les deux. Parce que si vous touchez la première et que vous n'avez pas suffisamment d'angle, elle n'ira pas chercher la deuxième qui est derrière. Alors ça s'appelle une belle-mère. Et là, le dernier coup de Julien, et il a raté, mais bon, il a gagné le match. La finale lui ouvre les bras. Voilà, 200 à 165, hein, Thierry. Ouais. Beau match pour le Français, plein. Il a fait juste deux trous. 3 même, mais bon, il a fait un très bon tableau. Et maintenant, on attaque dans le dur vraiment parce qu'il affronte Peter Knop, l'Allemand. Alors, Peter Knop, c'est un personnage. Eh oui, c'est du lourd. Attention, Peter Knop, hein, 226,83 de moyenne sur les éliminatoires. Il est joueur professionnel, hein, lui, il vit du bowling. Un Allemand, il joue aux États-Unis. Et sincèrement, là, Julien n'a rien à perdre, il est outsider puisque Peter Knop a beaucoup plus d'expérience que lui. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Bon, on va voir la technique de l'Allemand, celle de Julien, on commence à la connaître. C'était
Toujours hein, le même départ avec cette boule bien calée au creux du bras. Oui, alors ça, là, donc joueur français, ça n'a rien à voir avec ce qu'on enseignait il y a 20 ans ou 25 ans à l'école française de bowling. C'est là où on s'aperçoit que bon, c'est évolué. Un sport qui évolue oui. Comme tous les sports finalement. Et c'est bien d'ailleurs. Et voilà, qui l'a fait évoluer? Certains joueurs qui amènent une technique particulière ou on va la chercher ailleurs dans les pays Oui, c'est un peu tout. Oui, je pense qu'il y a des joueurs qui amènent certaines choses parce qu'ils se sentent mieux d'une certaine manière et puis on s'aperçoit que bah, ça marche bien. Et puis bon, bah, maintenant avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, beaucoup de joueurs s'inspirent de ce que font les pros américains qui restent quand même malgré tout une référence. Hein. Et voilà, donc Peter, lui, c'est un jeu encore une fois très classique, un peu comme on l'apprenait nous à l'école française de bowling. Ah, Peter Knop, hein, en tout cas, c'est un personnage. Il nous a régalé hein, pendant ces 4 jours et il est très 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 minutieux dans ses choix de matériel. Et lui, du coup, il laisse rien au hasard. Donc je pense, on va voir comment il va se comporter. Bon là, il a vu que cette première boule était un peu fine. Donc il va sûrement changer de repère sur la piste. Il va rentrer vers la droite pour avoir plus d'effet. J'espère très facile hein, pour lui. Et Peter Knop a été, dans les années 90, un des premiers Européens à aller jouer sur les défis des professionnels aux États-Unis. Donc c'était pas simple parce que vous savez, les Américains chez eux, c'est très difficile de les battre. Et il a fait 2 finales télé. Et franchement, il m'a même inspiré parce que moi, j'ai eu la chance d'aller jouer dans les années 2000. Mais Peter Knop, c'est quand même un personnage en Europe. Voilà, une référence sur Angers Télé pour ce tournoi qui avait lieu donc le 8 octobre dernier au Silver Bowl de Beaucouzet avec quelques-uns des meilleurs Européens. Et notamment ce garçon, Peter Knop, même si là, il laisse quelques quilles. La quille 10 encore. La 10, ouais. Oui. Donc là, il prend sa boule un petit peu plus dure pour jouer le spare. Il y a des classements, vous parliez des Américains qui sont sans doute les meilleurs au monde. Il y a des classements, il y a un numéro 1 mondial. Oui, il y a un numéro 1 mondial. Alors la Fédération internationale a décidé de mettre ça en place depuis 5 ans. Et nous avons maintenant un classement mondial qui mélange les professionnels et les meilleurs joueurs amateurs. Et c'est une volonté vraiment de la Fédération internationale pour conquérir le CIO. Donc depuis déjà 3 ans maintenant, on a approché le CIO. Moi-même d'ailleurs, j'étais à Lausanne l'année dernière. Et le bowling est quand même sur une bonne voie pour repartir peut-être sur les JO d'hiver dans 8 ans. On n'a pas encore la garantie, mais c'est quand même... Je ne vais pas donner de faux espoirs, mais c'est quand même dans les clous. Ce serait une première ? Ça serait une première. Il a été sport de démonstration à Séoul en 88. Et plutôt placé dans les JO d'hiver. Oui, puisque c'est un sport de salle. Plus sain pour Julien Serment. Hein, ça nous ferait plaisir hein, qu'il gagne le français sur... Aux Jeux Olympiques de Los Angeles, il avait été question que le bowling soit sport olympique, mais ça ne s'était pas fait. Oui. Parce que comme on était à Los Angeles, chez les Américains, on pouvait avoir en effet l'espoir que... Mais non, ça ne s'est pas fait. Les Américains l'ont inventé ce sport? On n'a pas parlé des origines. Oui, c'est un sport américain. Mais alors Maurice, qui a une bonne mémoire, le jeu de quilles était à l'origine et les Américains ont inventé le bowling. Alors, ouais, en fait, au départ, c'était la quille de neuf. Donc il y avait 9 quilles qui étaient positionnées en carré. Et ce sont des immigrants hollandais pour les États-Unis qui sont arrivés là-bas, qui jouaient à la quille de 9. Et donc, alors, je ne sais pas si l'histoire est parfaitement exacte, mais enfin... On va vous croire. On dit toujours que voilà ce qui se passait. Dans les villages, les hommes, le dimanche matin, jouaient à la quille de 9 au lieu d'aller à la messe. Pardon. Et donc il y a eu voilà. Et donc il y a eu une loi entre guillemets qui a été instaurée en disant il est interdit de jouer à la quille de neuf parce que faut que les hommes aillent aussi à la messe. Et donc du coup on contourne les lois bien sûr. Et on a rajouté une quille et c'est là qu'est né le ten pin bowling des Américains. Et c'est seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale que des officiers américains et qui étaient donc sur le sol français avait fait monter deux pistes de bowling. Alors je ne sais plus si c'était pas du côté de Charenton, je crois, en banlieue parisienne. Et ils ont joué au bowling. Et du coup, ça a donné des idées aux Français. Et je crois que le premier bowling français ouvert en 59 ou 60 à la suite de ça. Quoi. Très bien, merci pour cette précision historique. Bon, et entre-temps, Thierry, on a vu que Peter Knop a trouvé la solution sur la piste de droite. Il a fait son strike. Et en grand champion qu'il est, je pense que maintenant, il va serrer le jeu pour pouvoir aligner les strikes.
C'est parti. Voilà. Et il sait, alors attention, parce que Peter Knop est un joueur d'expérience et il a vu le Français lors des qualifications qui a quand même très très bien joué. Julien Serment, il a fait 221-33. Et surtout, sur la partie d'Angers, Julien Serment a mieux joué que Peter Knop puisqu'il a fait 240 de moyenne, le Français, et Peter Knop 232. Ça veut dire que les pistes d'Angers, par rapport à l'équipement de Julien, sont meilleures pour le Français. Il y a de plus d'atouts pour lui. Donc. Et c'est sa première finale télé, ça serait son premier titre sur cette compétition. On va dire que le Français, il est à 100%. Parti. Ah, strike, Maurice, un peu chanceux, vous avez eu la 7. Oui, la boule est belle quand même, on voit que ça travaille bien dans les quilles, c'est merveilleux. C'est merveilleux, et là, un petit point sur les scores. Là, il est à plus 11, triplé. L'Allemand n'est pas encore lâché, hein, comme on dit, parce qu'il a un doublé. Donc là, c'est un super match, je pense, qui est parti pour cette finale. On le voit, ce garçon qui a quelques sponsors, donc on est à la limite de la professionnalisation. Oui, voilà ce que je vous disais, là, Julien Serment, c'est du semi-pro, il n'y a pas de problème, il se comporte très très bien sur les pistes et en dehors. Et bon, il joue très très bien, il n'y a rien à dire. Il joue en individuel ou il est licencié dans un club, bien sûr. Il est licencié, alors, excusez-moi, là, j'ai pas l'info. Il semble que c'est à Reims, donc il est licencié. Je crois qu'il était à Reims l'année dernière, mais je crois qu'il va changer de club cette saison. On en parlera tout à l'heure avec Maurice, mais des championnats tout avec à fait. Des niveaux différents. Comme, exactement, comme au football. Vous avez la National 1, donc Julien Serment, bien évidemment, joue en National 1 dans un club français. La Nationale 2, où évolue d'ailleurs l'équipe de Maurice, l'ABC. Et vous avez beaucoup de compétitions en France. Hein. Vous avez des tournois handicap tous les week-ends, des championnats de France en individuel, en doublette. La France est bien dotée en salle de bowling. Ah oui, il y a environ 380 bowling en France. Donc on est quand même bien doté, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Angers, on a un très beau bowling. Et en fait, les compétitions, il y a les compétitions officielles de la fédération et il y a tous les tournois privés, donc sont organisés par les propriétaires de bowling. Donc c'est vrai que tous les week-ends, on peut jouer au moins, pour nous, au moins deux ou trois tournois. Si on tout à fait. Tous les week-ends, il y a de quoi faire. Hein. Et là, Peter. Lancer, là, pour Peter. Ouais, oui, Peter Knop, là, il lâche un peu le match. Il vient de faire un set. Et la fatigue peut s'accumuler parce que ce sont des garçons qui jouent depuis plusieurs jours là sur. Exactement, c'était la dernière étape. On avait fait trois jours Rennes, Châteaubriand, Angers. Et peut-être que la fatigue physique. Alors là, c'est un split. Ah, oh, super bien joué, Peter Knop, bravo. Effectivement, Peter Knop a 54 ans, Julien Serment 31. Il y a quand même une grosse différence d'âge. Et peut-être que sur ce match, la fatigue peut avoir une influence. En tout cas, Peter, il transpire plus que d'habitude. C'est pas un bon signe. C'est quelqu'un normalement qui... Ça, c'est pas bon, ça, parce qu'il va être obligé de bien nettoyer sa boule. Exactement. Qui l'emmène, évidemment, c'est un peu lourd, ça, tout ça. Là. Quand on est joueur professionnel, faut compter dans les bagages. Exactement, on a environ 6 boules par déplacement. Ouais. Donc, vous voyez, c'est des sacs de 3 boules. C'est du 44 kilos, quand même. Si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote. Allez-y. Oui. J'ai le souvenir d'un tournoi à Lyon. Avec donc à l'époque c'était la grande équipe française, les Sharks, et on avait tous en moyenne entre 6 et 8 boules, donc ça représente beaucoup de sacs. Et quand on est monté dans le TGV, on descendait à Lyon, Lyon-Lapardieu je crois, et on avait dit au monsieur de la SNCF, on lui dit, vous savez, il n'y a que 2 minutes d'arrêt prévu, mais nous il nous faudra beaucoup plus de temps pour descendre les boules. Vous avez eu le temps finalement ? Oui, il avait été très gentil. L'arrêt avait duré un peu plus longtemps. On avait organisé une chaîne pour sortir les sacs. Puis ils sont lourds, hein, les sacs. Quand il y a 2 boules dedans, ça fait quand même du poids. Et Julien Serment, strike machine. Et il continue, c'est strike machine. Très bien. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je peux vous dire déjà, ça sent bon pour le Français. Ouais. Mais bon, comme c'est un joueur en face de lui d'une très très grande expérience, il va. Restez concentré, Julien. Il sait qu'il faut continuer. En tout cas, il nous fait plaisir, le Français, parce que on est en renouvellement actuellement sur le bowling français. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place au niveau de la fédération. Et là, il offre un beau cadeau quand même au bowling français s'il s'impose sur cette compétition majeure. Il fait partie de l'équipe de France. Il y a une équipe de France. Tout à fait. Il est en équipe de France, Julien. Vous avez fait partie de cette équipe, Maurice ? Oui, j'ai fait partie de cette équipe
Je suis rentré pour la première fois en 1977 et j'ai dû y rester une dizaine d'années à peu près, oui. Mais bon, c'était pas du tout. C'était pas le même sport. C'était les débuts. Ouais, c'était pas le même sport. Les conditions de jeu, comme on disait tout à l'heure, n'étaient pas les mêmes. Et puis, voilà, ça a évolué et c'est très bien. Moi, je trouve que. Moi qui suis de l'ancienne génération, je trouve que c'est magnifique. J'étais admiratif pendant ce tournoi à les regarder. Et Peter Knop, avec cette position très caractéristique au départ, un beau strike. Belle réaction. Hein. Oui, il se refait une santé. Il se refait la santé. Ouais, mais c'est un genre orgueilleux. Hein. Donc, il veut perdre. Il veut bien perdre, mais il veut perdre avec les honneurs, Peter Knop. Il va sûrement continuer, j'espère. Oui, puis après, on ne sait jamais ce qui peut se passer de l'autre côté. Il peut y avoir une défaillance d'un seul coup. Une défaillance, un peu de doute qui s'installe dans la tête de l'adversaire. Donc la prise de la boule, hein, ce sont toujours les trois mêmes doigts, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, ah toujours. Sinon, ça part moins bien. Bah oui, parce qu'en plus, la boule, les mesures ont été prises avec ces trois doigts-là, et donc on ne peut pas changer. Ça coince. Surtout que c'est vraiment très très précis au niveau des angles, et vraiment impossible de faire autrement. C'est bien parti ça pour Peter. Et encore un strike. Il y a eu un petit moment de moins bien, mais là ça y est, il est reparti. Et voilà ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas du tout d'animosité entre les deux garçons. Non. Ça se tape dans la main, ça s'encourage. Il y a du respect. Il y a du respect, si jamais tu peux en rater une ou deux, je ne serais pas contre. Mais on voit que le Français, là, on voit bien à l'image, hein, il est très concentré. Il est très, très concentré. Il ne laisse pas de possibilité au hasard. C'est-à-dire qu'il a vu que l'Allemand avait fait deux strikes, donc il sait qu'il est parti. Et il sait que lui, il vaut mieux continuer en strike. Alors, ça sera un sixième consécutif. Hein. Et je crois qu'il est très, très bien parti, hein, Julien Serment. Il a juste fait 9 espères à la première frappe, mais tout le reste sont que des strikes. Alors, encore un, peut-être. Eh oui, superbe. Ouais, très belle boule. Superbe ça. 7e strike d'affilée. On est alors là, plus 34. C'est pas fini en théorie. Voilà, en théorie, c'est pas fini, mais mentalement, le Français, je ne vois pas, à moins de mettre une boule dans la rigole, je ne vois pas comment il peut perdre. Est-ce qu'il est possible de mettre une boule dans la rigole à ce niveau-là ? Alors, c'est arrivé. Alors, j'ai une anecdote, Thierry. Sur le plus gros tournoi professionnel aux États-Unis, dans les années 90, c'était l'US Open, il y avait beaucoup d'argent à gagner, il y avait $100 000 au premier. Et le joueur, c'était Del Ballard, il s'appelait, il devait faire juste une quille pour gagner. Et il a fait rigole. C'est incroyable et c'est arrivé aux États-Unis sur l'US Open. Gagner avec plus de $100 000, c'était tout à fait étonnant. Quand même. C'était incroyable. D'ailleurs, il y a eu des gens, on en a beaucoup parlé dans la presse américaine, il y a eu des psychologues, il a été interviewé et il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a mis un petit truc dans son coca. Ouais. Pas du tout, il n'a pas compris. Il est monté sur la piste, il était sur un très bon score et il a envoyé la boule dans la rigole. Incroyable. Ça lui arrive jamais. Ben non, et voilà, une fois, et vraiment au plus mauvais moment. Maurice, ça ne vous est évidemment jamais arrivé. De mettre une boule à rigole en match, non, jamais, jamais. Bon, à l'entraînement, quelquefois, ça peut arriver, parce qu'on essaye des choses, et bon, on va mettre la boule dans la rigole, mais sur une première boule, non, jamais. Ah, dommage, Peter, là, qui cède. Ben là, c'est les carottes sont cuites. Oui. Un Français va donc s'imposer dans votre championnat. Ouais, et je suis content, parce que... Voilà, c'est quand même super pour nous, l'organisation, d'avoir un Français qui gagne. Ça nous fait plaisir. Oui, en plus, un jeu qui est vraiment très, très intéressant. Puis bon, il ne gagne pas contre n'importe qui. Attention, non, Peter Knop, c'est quand même du lourd. Donc, la victoire n'est que plus belle pour le Français. C'est la Kubica AMF Bowling Promotion Cup. Kubica que l'on voit inscrit sur... Au Silver Bowl de Beaucouzé, c'est votre sponsor. Oui, Kubica AMF, notre partenaire depuis le début de cette épreuve, qu'on remercie une nouvelle fois. Allez, jusqu'au bout, Peter Knop. Et vous voyez, il a un petit déhanché, c'est-à-dire qu'il se met en équilibre. Hein, Maurice, c'est intéressant ça, hein, au niveau de l'équilibre, cette position de départ. Ah, il finit bien quand même. Ah, c'est un pro, hein, de toute façon. Oui, mais c'est beaucoup plus simple hein, comme jeu, mais bon, c'est aussi très efficace. Hein. Ouais. Et puis bon, on peut dire aussi hein, quand même que le bowling, ça conserve, un peu comme le golf, Maurice, puisque 54 ans, il est toujours là. Hein, Et puis j'ai un exemple vivant à ma droite, vous jouez toujours, Maurice. Ah oui, je joue toujours, oui. Mais il y a un très bon niveau, j'ai je précise. J'ai plus 54 ans. C'est ça, c'est dommage. J'ai le droit de dire votre âge. Oui. Oui. Et strike encore. Restez pour avec Peter. Nous, parce qu'il y aura la suite de la compétition juste dans la foulée.
avec les doubles et double mixte. Double mixte, on va se régaler parce que bon, il y a des très belles joueuses. Hein. Et le sport féminin est un très bon vecteur de communication pour nous aussi. Oui. On est très contents. De plus en plus de femmes jouent au bowling. On verra même une Angevine. Exactement. Participer à la compétition. On en parlera dans quelques instants. Allez, Peter Knopp, le petit déhanché, la petite grimace, là, caractéristique. Exactement. Aussi. Et le rictus. Voilà. Et le strike pour finir. Sa dernière boule, ça sera un strike. Oh, une petite déception certainement pour lui. Ah oui, il est déçu parce que c'est quand même le champion en titre de cette compétition de l'année dernière. Il avait gagné à Lausanne en Suisse l'année dernière le Master. Et bon, ben là, il s'incline. Mais il est quand même deuxième. Hein. Il n'est pas loin d'avoir fait le doublé. Mais le Français hein, qui doit savourer, là, il est, rendez-vous pour compte, 9 strikes ouais, d'affilée. C'est contenu, mais voilà, il a l'idée de faire le plus beau score voilà. possible. Je pense qu'il voudrait terminer en strike, il continue, hein, il est encouragé par le public, ah, et ça continue. Ah, c'est magnifique. Ouais. Hein, Maurice, c'est incroyable, il y a pratiquement faire, à part la première boule, que des strikes pour ah, nous. Oui, mais oui. C'est mais génial. Il y avait du monde, belle ambiance. Hein. Ah, super ambiance. Et le public a apprécié. Hein. Oui, je pense que les gens... Moi, j'ai eu... J'ai beaucoup de retombées, les gens ont vraiment trouvé ça superbe. Qui n'a pas joué une fois au bowling dans sa vie? C'est vrai, hein, vous savez, le bowling, je pense que beaucoup de les étudiants, tout le monde y a été, et puis les parents avec les enfants, on y a tous été au moins une fois. Et de voir aussi que c'est un sport, bah, voilà, on est content de pouvoir vous le montrer. Eh, bah, oh, il a laissé la 7, ouais. C'est bien. C'est possible, ça y est, là, je crois qu'il est, il est totalement sorti de sa bulle, hein, c'est fini. Il a gagné. Et il plaisante un peu avec le public. Il gagne surtout des points, plus que de l'argent. Il y a une récompense, une dotation, mais voilà, pour lui, c'est surtout des points. C'est surtout du capital confiance pour l'équipe de France, je pense. Oh. Ah là, elle est tombée dans la rigole, donc elle ne compte pas. Vous allez voir sur le tableau score. Voilà, ah, zéro. Eh oui, elle compte pas ouais, parce qu'on attend le droit. Tombée dans la rigole. Mais quand même, 278 Maurice en finale télé, c'est quand c'est même, magnifique. C'est super. C'est vraiment une belle publicité pour le bowling. Il y a un petit peu plus de pression quand les caméras sont là. Normalement oui, mais vous voyez que Julien, lui, il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a utilisé les caméras, pour se pouvoir se hisser. Bravo en tout cas. Voilà. Même les félicitations des joueurs russes, hein, on a vu. Phil Hulst, hein, qui vient le. Il y a une très bonne ambiance entre les joueurs. Hein. Ils se connaissent tous. Voilà, il vient le féliciter. Sur le circuit européen. On vous aperçoit, Maurice, derrière. Vous avez donné vos petits conseils, en fait. C'était vous. Non, je ne me serais pas permis là. Et Tony Régnier, le Français, hein, qui vient taper la main de Julien. Super. On va sûrement voir la remise des prix maintenant. C'est parfait. Et puis on va surtout enchaîner, messieurs, avec la suite de la compétition. Donc voilà pour le master individuel, victoire du Français. Magnifique. Ouais, Julien Serment, hein, première victoire. Et on le reverra l'année prochaine. On le reverra l'année prochaine, évidemment. On va enchaîner, je le disais donc, cette fois-ci avec la suite de la compétition, puisqu'on joue en individuel, on peut aussi jouer en double et en double mixte. En double mixte, donc c'est un tournoi inaugural cette année, le double mixte. Nous avions 6 nations, donc on a 2 Russes, une Française, une Allemande et une Anglaise. Très bien. Maurice, vous jouez aussi de temps en temps avec des jeunes femmes? Oui, ça arrive, oui. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des compétitions très, très fréquentes en France, mais oui, ça nous arrive, oui. Il y a un tirage au sort où chacun... Alors, non, c'était pas... Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, les équipes, les femmes étaient automatiquement sélectionnées. Elles ont fait des qualifications de 1 à 5. Mm-hmm. Et les hommes, ce sont les 5 meilleurs hommes. Donc, ce sont les hommes qu'on a vus lors du Master. On va retrouver, d'accord, les tout finalistes du Master. Voilà. Il y a Peter Knopp. Peter Knopp. Il y a ses lunettes, et voilà. Donc là, on fait un petit tour vite fait sur le 18e de finale. On est à la fin du match avec Viktor Krasavkin, le joueur russe, qui est associé, donc je vais laisser la parole à Maurice, à Isabelle Chevet. Isabelle Chevet, l'Angevine. Alors Isabelle Chevet, donc, qui fait partie... Ah, c'est pas elle, hein, c'est non, 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 ça, d'accord. Mais qui fait partie de notre club, donc, et qui a très bien joué dans ce tournoi. Bon, on parlait des caméras de télé tout à l'heure, c'est vrai qu'elle avait un peu le trac, mais bon, je lui dis, vas-y, libère-toi, au contraire, c'est que du bonheur. Et elle a vraiment fait un tournoi magnifique. Et là, on va la voir jouer tout à l'heure. Elle se débrouille très, très bien. Et Viktor Krasavkin, hein, qui est un fidèle aussi dans notre compétition. Il est là depuis 2010 aussi. Oh, juste, il a oui, fait oui, la quille 10 sur le fil. Comme quoi, la 10, c'est pas facile à faire hein, pour un droitier. Alors Isabelle, voilà, Isabelle, on l'aperçoit là. Donc elle est gauchère. Et l'équipe, Phil Hulst et... Donc Kimberly Oakley, l'anglaise.
donc jouent ensemble. Philos vient de faire une belle erreur là. Il est parti beaucoup trop à droite. Exactement, il a fait une erreur de. Je commence à deviner un petit peu les bons et les mauvais coups. Voilà. Et vous voyez que là, l'ambiance est plus décontractée pour le double mixte, puisqu'il y a un peu moins de pression. Mais bon, on voit tout de suite que Phil. Pau garçon, il a dû faire des ravages chez la jante féminine, hein, je vis. Ah, les filles en étaient folles amoureuses et j'en connais une qui est très jeune qui l'aimait beaucoup. Maurice, il va falloir tenir votre fille. C'est vrai que c'est un magnifique athlète. Ah, et puis, beau lancé, bon, très, comme un disco ball. Hein. Très sympa, vraiment. Ouais, vraiment. Espère facile, hein, du coup. Ouais. Il a rectifié sa faute. Alors l'anglaise, Kimberly Oakley, alors là voilà, c'est le choc un peu des générations chez les femmes, puisque nous avions deux joueuses de plus de 50 ans, on peut le dire, donc des seniors, et deux jeunes joueuses de 20 ans. Et vous allez voir que, donc au niveau technique c'est très différent, c'est pas la même chose, mais les armes en fait, chez les personnes de plus de 50 ans sont là, c'est vraiment des armes mentales. Il y a un peu moins de technique, un peu moins de force, mais il y a plus de précision quelquefois. Oui. Et on va voir qu'Isabelle Chevet est gauchère. On dit que les gauchers, souvent en football, sont les meilleurs techniciens. Est-ce que ça, alors, oui, ça vaut aussi dans votre sport? Ça vaut. Il y a beaucoup de débats. Oui. Ouais, il y a beaucoup de débats, mais je laisserai Maurice peut-être expliquer ça. Mais sur les gauchers au bowling, puisque il est vrai que la partie, il y a moins de gauchers que de droitiers. Donc, comme nous, on met de l'huile sur la piste, la partie gauche bouge moins vite. Donc, il y a moins de transfert d'huile. Et c'est plus facile à jouer, entre guillemets. Mais je vais laisser la parole à... Oui, non, mais tu as raison, Bruno, c'est plus facile, parce qu'en effet, les conditions de jeu sont beaucoup plus stables. Mais on sait aussi que les gauchers ont une synchronisation naturelle qui est meilleure que le droitier. Et là encore, on le retrouve dans beaucoup de sports. Par exemple, au tennis, Nadal, c'est impressionnant. Bon, il y a le côté physique aussi, bien sûr, mais il a une aisance... Alors, au golf, il y a des gauchers. Alors, par contre, le golf, il y a un autre problème, c'est qu'au niveau du matériel, les clubs de golf sont pratiquement à 80-90% faits pour les droitiers et pas pour les gauchers. Donc, ils ont peut-être moins de choix. Les boules sont différentes pour les gauchers ? Non, les boules sont les mêmes. C'est simplement le perceur qui va équilibrer la boule pour le gaucher et non pas pour le droitier. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boule ? Il y a une masse à l'intérieur. Donc en fait, vous voyez, il y a une coque. Là, on voit Victor qui essuie sa boule. Elle est un peu dorée. Donc ça, c'est la coque de la boule. Vous avez la matière pearl. Donc ça, c'est une matière... Donc Victor joue avec une boule pearl. Sinon, il y a des boules mates. Et surtout, il y a le top à l'intérieur. Et ça dépend comment vous allez percer votre boule en fonction de ce top. Donc vous allez avoir des boules qui vont aller plus ou moins loin dans la piste. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur effet plus tard. Ou des boules qui vont rouler plus tôt. Et là, par exemple, Phil Hulse joue avec une boule plus roulante. Vous voyez, elle attaque plutôt la piste. Quand même. Ça attaque très, très fort. Ouais. La vitesse, la moyenne de... Ouf, Phil Hulse, c'est du 30 km/h en première boule. Et Victor, plus doux, hein, c'est du 23-24, mais très précis et avec une bonne rotation. C'est intéressant d'ailleurs de comparer les vitesses, parce que là, on le voit même, on n'a pas besoin de chronométrer, mais vous voyez, elle est beaucoup plus lente, sa boule. Pourquoi ce n'est pas qu'un sport, ce n'est pas du tout même un sport de puissance. Et non, c'est de la technique. Mais c'est une technique. Exactement. Et Maurice, derrière, vous êtes en transe. Oui, parce que l'équipe avec Isabelle est en train de gagner. Là, on va faire le point à la fin de ce match. Encore, on l'a pas vu, mais on va la voir juste après sur le match suivant. Là, par contre, ça part de haut. Ah ouais. Et un split. Ce qui était même impressionnant avec Phil, c'est que la boule est tellement violente que plusieurs fois, il y a des quilles qui sont revenues sur la piste et on était obligé d'aller enlever les quilles parce que les quilles sont projetées, mais avec une violence... C'est une gamelle, quoi. Ah, c'est étonnant. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, Isabelle et Victor ont gagné le premier match 224-200. Et maintenant, on est sur le quart de ce double mixte entre l'Allemande Volke Brandt et le Russe Kochilev, qui est associé donc à... Nikita Kochilev. Et là, maintenant, on va sûrement voir Isabelle jouer dans ce match. J'espère, en tout cas. Oui. Alors, vous avez vu, là, ils ont changé de piste. C'est-à-dire que la paire Chevet-Krasavkin joue sur la piste de droite parce qu'au tirage au sort, l'équipe qui était mieux classée a choisi de jouer sur la piste 3. Donc, ça aussi, c'est un peu une stratégie pour déstabiliser l'adversaire, puisqu'ils ont joué la première partie sur la piste 3, et là ils vont jouer sur la piste 4, car on est en Baker System et on ne joue pas en piste alternée, comme on a fait tout à l'heure lors du Master. C'est un peu compliqué, mais ça... Il suffit simplement de l'expliquer, comme vous le faites très bien, Bruno et Maurice. Voilà. On comprend beaucoup mieux le bowling et ses petites astuces.
Il y a ce pied qui part derrière, il y a le pied d'appui qui reste, et puis derrière ce petit geste. C'est pour l'équilibre en fait, c'est pour finir le geste et se mettre mais en équilibre. Mais ça vient naturellement, même quand on joue pour la première fois. Exactement. Ou alors c'est par imitation peut-être. C'est souvent naturel, ouais. Parce qu'on est tous fait pareil, hein, on a deux bras, deux jambes. Là, voilà. Là, on voit Isabelle jouer sa première boule. Très technique, on le voit, ça va beaucoup moins vite que les hommes. Oui, mais Isabelle joue quand même en 14 livres, hein, donc pour une femme, c'est un poids très raisonnable. La gauchère, elle a commencé assez tôt, c'est une gauchère, donc, et qu'est-ce qu'elle porte au bras? Alors au bras, en fait, elle a une épicondylite, donc elle se comme met ce petit bracelet là qui la serre, sinon ça lui fait très très mal. Alors là, elle a eu un problème d'approche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bien glissé. C'est quand on arrive au bout, avant la ligne de faute, on glisse. Et c'est pendant ce pas glissé que le bras redescend avec la boule et que ça permet d'équilibrer un peu les choses. Bon, là, elle a dû se bloquer un peu. Et bon, ça va, elle a quand même fait son spare. Et là, l'Allemande Bianca Wolke-Brandt, qui est une ancienne joueuse de l'équipe d'Allemagne. Et qui est quand même. Et on en a parlé là pendant ces trois jours. Elle a repris sérieusement le bowling depuis le mois de septembre. Donc c'est pour vous dire quand même, c'est incroyable parce qu'elle avait arrêté 5 ans et elle a repris depuis le mois de septembre. Et elle a quand même très très bien joué lors de cette épreuve. C'est un sport, c'est une passion. On a du mal à s'arrêter quand on fait du bowling, comme les joueurs de golf qui partent avec leur club dans la voiture. Est-ce qu'il y a toujours la boule quelque part, pas très loin, Maurice? Oui, c'est vrai que c'est une passion. Moi, ça fait 41 ans que je joue. Donc je ne peux pas dire autre chose. C'est vrai que par moments, il y a des gros moments de déception, de frustration, parce que... On a envie de tout arrêter. Oui, on a envie de tout arrêter. On se dit, mais c'est pas possible, pourquoi? Enfin bon, mais comme... Je veux dire, c'est comme en amour, hein, la passion, c'est pas toujours facile à gérer. Et là, un beau spare pour l'Allemande. Elle a un jeu très, très classique, mais très efficace, hein. Alors Isabelle joue dans votre club. Alors Isabelle joue dans notre club, donc on a une équipe féminine, elles sont trois, et elles participent au championnat des clubs en Régional 1. Donc on en avait parlé tout à l'heure, on a différentes catégories, National 1, National 2, Régional 1, Régional 2, Régional 3. Quoi. Enfin bon, truc un peu classique. Hein. Et un beau strike hein, pour Isabelle. Très beau strike, oui. Les femmes qui se sont mises sur le tard au bowling, ou il y en a toujours eu? C'était plutôt un sport d'homme, on en a parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça représente quoi en proportion? Alors ça, je ne saurais pas vous dire au niveau de la proportion, mais moi, je sais qu'ayant commencé à jouer dans fin des années 70, enfin non, même début des années 70, où j'ai commencé en 73 à lancer mes premières boules, il y avait déjà des femmes, et des femmes qui jouaient très très bien au bowling. Mais pour faire la liaison, actuellement sur le circuit européen, c'est du 50-50. Et les femmes, c'est vraiment pour vous dire une anecdote, mais qui est quand même incroyable. Elle n'était pas présente, elle n'a pas pu venir, la joueuse russe Maria Bulanova. Elle était invitée, elle n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Mais elle bat les hommes, c'est-à-dire qu'en fait, elle est sur le circuit européen, elle gagne contre des hommes. C'est assez incroyable. C'est peut-être un des rares sports où une femme peut battre un homme. Exactement. Puisque l'aspect, en fait, on ne joue pas, on ne combat pas, si vous voulez, contre son adversaire. On combat les quilles. Et donc, en fait, et l'élément technique est la piste. Donc, en fait, c'est une question d'analyse. Et à ce petit jeu-là, souvent, les femmes, quand même, ont des sacrés atouts. Mais ça pourrait être aussi le cas en golf, par exemple. Exactement. Il y a un peu plus de force de demander. Au golf, il y a un peu plus de force, parce que c'est vrai que quand vous tapez un drive. Un bon joueur de golf, il va être toujours au-dessus des 200 mètres, alors que pour une femme, ça va être un peu plus difficile. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste de golf, mais j'y ai joué un petit peu. Mais... Est-ce que justement, il y a des similitudes, ou est-ce qu'un bon joueur de bowling peut avoir des aptitudes au golf, inversement? Je crois qu'il y a des similitudes, oui. Dans la concentration. Oui, il y a des similitudes. Puis même dans le fameux backswing dont on parlait tout à l'heure. Ceci étant, moi, je ne joue pas trop mal au bowling, j'ai essayé de me mettre au golf, ça n'a pas été une réussite. Et là, c'est la dernière boule hein, de Victor et d'Isabelle dans ce match qui malheureusement vont s'incliner. Il a fait ce dernier coup, voilà, 216-194 et c'est la paire Brandt-Kochilev qui va en demi et qui va jouer donc contre une toute autre école, c'est l'école russe chez les jeunes. Alors, vous allez voir la différence des jeunes joueuses russes maintenant, le bowling moderne, hein, c'est vraiment le bowling d'aujourd'hui.
Mais un grand bravo à Isabelle, hein, quand même, parce qu'elle était très stressée, hein, pour avoir été proche d'elle, moi, pendant le tournoi. Elle était très stressée et elle s'en est quand même drôlement bien sortie. C'est vrai. Superbe expérience. Oui, oui, oui. Pour Isabelle Chevet. Donc là, deux générations. Hein, deux générations. Hein, 20 ans, 50 ans. Ouais. Il y a 30 ans d'écart. Mais c'est ça qui est charmant au bowling, je trouve, dans notre sport. Mixité. Et voilà. Alors vous allez voir la jeune russe, déjà la vitesse de boule pratiquement aussi rapidement que chez les hommes. Ça va vite. Détermination et volonté dans son lancer. Voilà. Et bon, pourtant c'est un tout petit bout de femme, hein, comme on dit, elle fait 1m60, mais il dégage une énergie incroyable. Et alors la finaliste, vous allez voir, c'est encore pire, parce qu'elle est encore plus mince et plus petite, mais elle envoie la boule aussi fort. C'est incroyable. La jeune école russe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on a été vraiment surpris chez les femmes. Hein. Ouais. Ah, ouais. Parce que pourtant on a l'habitude de voir des joueuses, mais là, elles nous ont quand même un peu bluffé. Maurice, vous arrivez à faire venir des jeunes dans votre sport ? C'est pas facile. Pourquoi c'est pas... donc ? Je ne sais pas, parce que je pense que les jeunes voient plutôt ça comme un divertissement. Bah, c'est-à-dire qu'on les emmène très jeunes pour fêter les anniversaires, par exemple. Ouais, ouais. Moi, le premier, ma fille, elle a connu le bowling. On l'emmenait avec ses copines de classe faire les anniversaires au bowling. Donc, c'est vrai qu'au départ, ils voient plus ça comme un jeu. Et puis bah, quand on est jeune, il y a un besoin de dépenses physiques. Donc, les jeunes vont s'orienter vers le foot, le basket, le hand, l'athlé. Et donc, c'est vrai que la première idée, c'est pas de les emmener au bowling pour faire du sport. Quoi. C'est, voilà. Je comprends bien. Ça peut être un bon complément. Mais ça peut être un bon complément. Avec d'autres sports. C'est un sport coûteux. Est-ce qu'il faut s'acheter ses propres C'est un petit peu cher au début. Ouais. C'est un sport qui revient assez cher puisqu'il faut vous équiper en matériel. Donc au moins 2-3 boules pour commencer. Hein. J'imagine que les clubs sont à même d'en mettre à disposition. Non c'est oui, mais après, il faut percer les boules à la main des joueurs. Vous voyez, par exemple, Alena Korobkova, là, qu'on voit à l'image, elle a quand même des petites mains. On voit que son perçage de boule est différent d'un homme. Donc, elle est obligée d'avoir son perçage. Et là, elle laisse la quille numéro 10. Et si vous voulez, c'est vrai qu'au niveau matériel, on en a souvent parlé. Pour commencer, il vous faut au moins 2 boules. Mmh. Une boule de spare, une boule de strike, une paire de chaussures. Et c'est vrai que... Est obligé d'avoir les boules à sa main. Oui. Sinon, vous avez des problèmes. Oui. Parce que si vous jouez au moins 2 fois par semaine... Ça coûte combien, une boule ? Une boule, ça va de 150 à 300 euros. D'accord. Donc ça reste assez onéreux. Mais vous l'avez pour la vie ? Et non, justement, parce que les boules, malheureusement, s'abîment assez vite. Et au bout de 2 ans, on va dire que votre boule, il faut commencer à penser à la changer. D'accord. Et puis après, c'est vrai que les déplacements, quand vous faites les tournois, les déplacements coûtent cher parce que vous avez le transport, vous avez l'hôtel, vous avez les restaurants. Donc c'est un budget. Elle a raté quand même. Elle a raté, Alena, la jeune russe. Alors Alena Korobkova, on ne l'a pas présentée, mais elle est membre de l'équipe nationale russe. Elle a fait les derniers championnats du monde à Hong Kong. Et elle fait partie des 20 meilleures joueuses actuellement européennes. Vous aviez un plateau très relevé. On avait un beau plateau cette année. Et l'année prochaine... C'est compliqué de faire venir ces gens-là ? C'est pas facile. Hein. C'est un travail aujourd'hui. Et voilà, il faut composer avec le calendrier international. Il faut composer aussi avec les centres qui nous accueillent. Il faut mettre en place le format pour que les joueurs ont tous un intérêt à y participer. Mais ça grossit chaque année, donc on est content. Le retour de notre champion. Le français. Voilà, mais il joue toujours bien. Ouais. Mais il a moins la niaque, vous avez vu, sur le double mix, il est plus relax. Oui, c'est normal. Voilà. Il a déjà atteint son pari. Ah, il a gagné ce qu'il voulait, ça c'est sûr. Alors derrière, on voit la petite affiche, là, allez Isa, il y avait des supporters. Le club d'Isa était là. Ils étaient là. Fabriqué par ma fille, qui est une grande admiratrice d'Isabelle Chevet. Donc il y avait la petite pancarte. Tout le club était là ? Ah oui, une partie du club était là, oui. Ah, il a vraiment un geste. Et ça va très vite sur les stades. Il envoie ça à 35 à l'heure. Et là, vous voyez, un petit avantage pour l'équipe Kochilev-Brandt. Oui. Il y a 12 points. C'est encore jouable pour Korobkova-Serment, puisque la paire franco-russe joue ensemble. On parlait de l'épicondyle douloureuse tout à l'heure d'Isabelle. C'est un sport où il y a moyen de se blesser un peu, de faire attention sur un peu de tendinite. Les doigts, bien évidemment, les 3 doigts, la friction en fait avec la matière de la boule. Beaucoup de joueurs ont pas mal d'astuces pour des pansements. Il y a pas mal de choses qui existent.
Mais il y a aussi les tendinites. Là, on voit la jeune russe qui avait un problème, justement, sur l'avant-bras. Elle avait un petit peu strappé, par contre, ça part toujours. Et un strike, hein, elle a fait un beau strike. Ouais. Elle était très, très impressionnante. Hein. Alors, je vous rappelle que c'était l'édition 2014 de la Kubica MF Bowling Promotion Cup. Ça se déroulait à Angers-Beaucouzé, au Silver Bowl. Magnifique équipement qui vous accueillait pour ces finales. Et l'Allemande, là, qui laisse... vient de couper. Qui vient de couper un trou. Comme on dit en français, en américain, on dit un open frame. Car chaque figure, c'est assez poétique dans nos sports, a un nom. Que ça, oui. Donc, ça, voilà. Et on les voit en plus. On les voit. Et vous voyez ce qui est intéressant de voir par rapport au match, c'est le même joueur, les mêmes pistes, le même matériel. Il joue avec la même boule. Et vous voyez, il a un petit peu moins de conviction, il a moins d'adrénaline, hein, Julien Sermant, là. Et ça ne pardonne plus, vous avez vu, alors que c'est le même village, c'est la même boule. C'est ça qui est fou, hein, dans notre sport. Il n'y est plus, et d'ailleurs, ça se voit, là. Il est un peu déçu, il se reconcentre, malgré tout. Et le Russe, lui, par contre, étant donné qu'il avait perdu, il va prendre sa revanche sur ce match, hein. Ça, c'est sûr. Quand est-ce que vous nous faites venir un champion américain d'envergure ? Eh bien, c'est prévu l'année prochaine. Voilà. Alors, je ne voulais pas vous le dire tout de suite, mais c'est en cours. Et bon, voilà, normalement, il y a quelque chose qui se prépare pour l'année prochaine. Parce que ça, c'est formidable pour la promotion de votre sport de faire venir ces champions-là, j'imagine, Maurice. Vous avez été champion vous-même. Ah oui, oui, non, vous c'est. Même émerveillé. Ouh là là ! Ah oui, Julien Sermant rigole, là, voilà. Il nous en a fait. Rigole moins, oui. Le pauvre. Mais il a voulu tenter quelque chose. Oui, il a voulu tenter. Et malheureusement, sa boule est partie complètement dans la rigole. Mais bon, là, son équipe est mal embarquée dans cette demi-finale. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, Thierry, moi, j'ai eu la chance de connaître une époque, dans les années 80, où le bowling était assez médiatisé. Il y avait ce qu'on appelait un AM Tour, donc un tour amateur, qui se déroulait dans une ville différente, tous les mois ou tous les deux mois, je ne me souviens plus exactement. Et c'était les trois derniers matchs étaient retransmis sur France 3. Ou FR3 à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin la troisième chaîne. Et c'est vrai que ça avait un très très bon impact. On avait aussi organisé au Bowling de Paris, qui était la mecque du bowling en France, un championnat de France des journalistes. Donc on prenait les 12 premiers joueurs au listing fédéral, qui étaient associés avec un journaliste, et on faisait donc une sorte de compétition qu'on appelait le championnat de France des journalistes. Et donc on était beaucoup plus suivis par la presse qu'on ne l'est aujourd'hui avant que vous veniez... Ah, il ne semble pas avoir de rubrique bowling dans le quotidien sportif français préféré. Non. Le seul d'ailleurs, hein, non, il ne semble pas. Non. Alors qu'à l'époque, on avait des articles, on avait un journaliste qui nous suivait régulièrement. Ouais, ça peut peut-être changer. Ça peut peut-être revenir. Alors, on compte sur Bruno. Notre journaliste en juin. Je peux vous trouver quelques collègues. Je pense qu'il y a moyen de passer une bonne soirée. Et là, la Russe vient de faire son spare, Nakidis. Mais je crois que malheureusement, ça ne va pas suffire pour la paire franco-russe Sermant Korobkova. Et normalement, Koshilev-Brand vont aller en finale. Affronter Peter Knop contre Daria Voronkova, l'autre joueuse russe. On a hâte de la voir, parce que vous l'avez bien vendu, Bruno. Ah oui. Non, mais vous n'allez pas être déçu. Vous n'allez pas être déçu. C'est assez surprenant de l'avoir joué. Non, on arrive sur la fin de ce match, de cette demi-finale. Ils ont quelques parties dans les bras quand même. C'était vraiment la fin de la journée et il y avait aussi le double après. C'était vraiment les derniers matchs. Allez, la beau strike. Machine de retour. Ouais. 26 points, ça va être très difficile. On choisit sa couleur, on a des couleurs préférées, donc on se dit moi j'ai plutôt une boule verte, une rouge, c'est joli. Mon époque on disait il est important d'avoir une boule qui vous plaise, parce que vous avez plus envie de jouer avec une boule qui vous plaît qu'avec une boule que vous ne pouvez pas voir. Bon, maintenant je crois qu'en fonction du type de la boule, Bruno va me le dire parce qu'il est plus spécialiste que moi, mais je crois que maintenant, bon, vous prenez un type de boule, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs à choisir. Il n'y a pas de choix de couleurs maintenant. Choix de la couleur, boule sort, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Selon le constructeur. Et voilà. Okay. Donc, c'est Alena, vrai qu'avant... La joueuse russe, ça serait bien qu'elle fasse un strike. Hein, si... C'est bien parti. Oh là. Elle laisse ce split. Split très compliqué.
Ah, c'est sa dernière boule hein, de cette compétition, malheureusement. Puisque... Vous n'avez jamais décidé un jour de franciser ces expressions, non ? Ça reste si, ben nos amis québécois l'ont fait. Et d'ailleurs, une frappe s'appelle un carreau, comme ils disent avec l'accent. Mais nous, on n'a pas trop. On reste sur le terme en anglais. Le strike, ça pourrait être quoi un strike ? C'est un abat, je crois, avec nos amis canadiens. Il faudrait que je me renseigne. Je vous dirai ça l'année prochaine. Un abat, en même temps, c'est pas très joli. Hein. Voilà. C'était compliqué de fermer. Voilà, la jeune russe, là, bah, c'est fini hein, pour eux. Ces dernièrement, j'ai entendu la fameuse mode du selfie. Ouais. Donc, les Canadiens appellent ça l'ego. L'ego, oh, j'ai oublié, mais c'est bon. Ça n'a rien à voir avec le mot selfie, bon, qui est rapide. Là, c'est l'ego quelque chose. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, d'ailleurs. Oui. C'est... Donc, il reçoit quelquefois des hockeyeurs canadiens, des ducs sur ce plateau. Et quelques expressions savoureuses. Ouais, le français hein, qui est fini, fini bien. Mais c'est fini hein, pour eux. Et là, vous avez vu, il met un pouce interchangeable. C'est-à-dire que dans les boules, maintenant, c'est un peu technique. Vous avez un... Pour avoir le même pouce partout, sur chaque boule, c'est un interchangeable. C'est-à-dire que c'est une matière plastique avec comme un moule de votre pouce. D'accord. Et vous pouvez le mettre sur différentes boules. C'est voilà, le bowling moderne, comme on dit, Maurice. Hein, ça, c'est vraiment des choses qui n'existaient c'est pas. C'est un monde complètement différent. Ouais. C'est vraiment devenu très technique. Quoi. Comme le pilote de Formule 1 qui a son propre baquet, ses mesures. Là. Mais c'est vrai que c'est pratique, hein, cette histoire de pouce interchangeable. Parce que quand vous avez plusieurs boules, si les pouces ne sont pas tout à fait... Parce que, bon, le diamètre du pouce, lui, quand on perce la boule, il a un diamètre bien défini, on fait toujours le même diamètre. Mm-hmm. Mais après, casser l'angle, on ne peut pas le casser exactement pareil. Il faut bricoler les pouces en fonction... Si le pouce a gonflé, on va enlever... en général, on perce un tout petit peu plus grand pour pouvoir mettre des scotchs, pour ajuster le diamètre du pouce. Enfin bon, et ça devient très compliqué, quoi. Alors que là, ils ont un pouce et voilà, ils le mettent... dans la boule qu'ils vont choisir pour jouer. Et la dernière boule hein, de Julien Serment, de cette demi. Là, il finit bien. Très, très belle boule. Sur un strike. Un de plus. Voilà, de plus, ouais. 197-170. Et on va attaquer la finale maintenant. Alors, voilà la jeune russe à côté de Peter Knop. Ouais. Alors, pareil, un choc des générations dans l'équipe. Hein. Il y a 35 ans qui les séparent. Ils vont jouer ensemble. Effectivement, on voit qu'elle est taillée comme une athlète. Hein. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, elle a fait quoi ? Elle a passé un coup de tirage sur les chaussures ? Oui, là, elle donne un petit coup de brosse, en fait, sur sa... parce qu'au bowling, vous savez, on glisse sur le dernier pas. Un petit coup sur les mains pour essuyer. Et c'est parti. Alors, on va voir cette jeune demoiselle qui s'appelle... Daria Voronkova, donc qui habite Moscou. Membre de l'équipe nationale également. Oui. Alors, ce qui est très étonnant, vous allez voir, c'est qu'elle se prépare très lentement sur la piste. Elle a une routine, comme on dit, qui est très lente. Et après, dès que c'est parti, c'est parti. Alors, c'est très, très lent au début. Vous voyez, elle se positionne. C'est un rituel. C'est un rituel. Ah, mais oui. En fait, en même temps, elle visualise déjà sa ligne de jeu. Elle regarde sa main pour bien la caler. Et ensuite, dès que c'est parti, hop. Et vous avez vu le balancer, c'est quand même très fluide en même temps. Maurice est encore impressionné. Ah là, moi, quand je suis arrivé et que je l'ai vue, je me suis dit, c'est pas possible, elle va se casser le bras. On a le sentiment que c'est, elle est tellement fluide. Elle est fine. On a le sentiment que la boule est énorme. Oui, oui. Exactement. Mais c'est une question, en fait, de timing et de fluidité. Et ce qui fait sa force, c'est qu'elle est parfaitement synchronisée. Voilà. Et du coup, le poids de la boule n'existe plus. Et on voit bien la différence avec la joueuse allemande qui est plus en force. Plus en ligne, plus en force. Voilà. Ouais, ouais. En fait, on dirait des ballerines, les deux joueuses russes. Moi, c'est ce que je disais à Maurice. Oui. On dirait qu'elles dansent autour de la boule, en fait. Et la boule est accessoire. Et c'est ça qui nous a vraiment impressionnés, puisque la technique de jeu aujourd'hui n'est pas trop apprise comme ça. Alors, et en plus, ça marche. Donc, ça nous donne des idées pour nos jeunes. Peter, lui, va pas changer maintenant sa technique. Hein, je pense pas. Qui marche plutôt bien. Oui, ça fonctionne. Un petit pas de danse. Mais c'est un joueur très sympa, hein, Peter Knop. Oui. Ça parlait plutôt allemand, là, entre russe, allemand... Ça parlait anglais, c'est ça. Anglais.
On a essayé de parler un peu russe, mais c'est quand même assez difficile. Ah. Pas facile le russe, oui. On va revoir Daria. Alors, regardez ses bras, quoi. C'est... On dirait que la boule fait... qu'elle est trop grosse, en fait, hein, Maurice, pour son corps. Oui, c'est ça qui est dingue. Pas le sentiment que ça développe le bras comme le tennis. Elle a peut-être le bras droit un peu plus, un peu plus fort quand même. Oui. Ah oui. Logiquement. Hein. Ah bah de toute façon, tous les joueurs de bowling ont le, enfin mon bras droit ou le bras gauche pour les gauchers, mais qui est toujours un peu plus développé, oui. Et c'est ça qui est incroyable. Et regardez, hop, le balancier. Oh. Et quand on regarde les yeux, elle le lâche les kicks au dernier moment. Exactement. Et vous avez vu deux strikes sans problème, hein. Facile. Ça part. C'est fluide en plus. C'est ça qui est étonnant. Là, ça enchaîne. Là, ah. C'est parti, oui, sur la gauche. Ouais, boule à gauche, exactement, tiré. Là, c'est mal joué quand on met la boule à gauche et qu'on a fait une erreur de précision. Voilà, c'est vrai que c'est dans un esprit un peu plus convivial. C'est plus convivial, le double mixte. Hein. Ah oui, puis quand vous jouez contre une jeune fille qui balance des boules comme ça, on se sent un peu complexé quand même. On se dit, mais c'est pas possible. Voilà, la 10, sans problème. Vous avez vu comment la quille est revenue, là? Elle a rebondi derrière, elle est revenue. Donc, ils ont déjà plus 2. Ils ont déjà un doublé. La paire Knop Vorenkova. Oui, parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, mais le bowling, en fait, à haut niveau, quand vous faites des matchs comme ça, des finales, ça joue sur les 4 premières frames. Parce que si vous attaquez avec 4 strikes, par exemple, et que votre adversaire a fait que 2 spares, c'est pas que c'est fini, mais vous avez un avantage psychologique énorme. Et le joueur en face, il sait qu'il est contraint à finir en strike. Et c'est là que vous avez gagné. C'est comme si vous meniez 40-0. Au tennis, voilà, c'est ça. Ah, oui. C'est pour ça que ça joue toujours très sérieux, les 4 premières frames, les 5 premières frames, on va dire, jusqu'à la mi-parcours. Et vous allez voir que Peter Knop, en bon professionnel qu'il est, il va essayer d'enfoncer le clou. Il devrait mettre encore normalement un strike. On peut lui faire confiance. Hein. Il est bien concentré, moi, là. Moi, je vous fais confiance. Là, il est bien concentré, Peter. Regardez. Split en plus. Hein. Ouh, il a envoyé une mauvaise boule. Alors ça joue quoi? C'est quelques centimètres, millimètres C'est centimètres et surtout vitesse, parce que la vitesse de boule est un peu plus lente. Donc comme il est sérieux à faire que 2 quilles, il ne va pas le tenter, lui. Il n'en prend qu'une, le pauvre. Ah, ça peut ouvrir la porte, hein, comme on dit. Il n'y a pas la place à de la fantaisie dans ce genre de sport. Non, jouer les yeux bandés de temps en temps. Si, ça arrive. Essayer, main opposée. Ça arrive, mais... Alors, jouer à l'envers. Alors là, les yeux bandés, on va... je vais me permettre de vous raconter une anecdote, mais qui est sérieuse, par contre, parce que... moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup ému. Un jour, on m'a demandé de venir encadrer un groupe de non-voyants. Et j'étais un peu décontenancé parce que je me demandais comment j'allais faire pour faire jouer ces non-voyants au bowling. Du handi-bowling, pour le coup. Ouais. Et honnêtement, ça a été une expérience fabuleuse. J'ai beaucoup appris parce que, et je l'ai même utilisé après. Donc, justement, en parlant des yeux bandés, je l'ai utilisé pour moi, jouer les yeux bandés, parce que vous développez des sensations que vous ne développez pas naturellement. Parce que quand on voit, il y a plein d'informations qui viennent perturber vos sensations. Et c'est vraiment extraordinaire. Une expérience incroyable. Ah oui, et ouais, incroyable, incroyable. Et Daria Vorenkova continue en strike. Vous avez vu, machine, c'est elle. Hein, sur cette Ce match. Fabuleuse. Même Peter Knop avait fait 7-1. Donc pour le moment, elle maintient la pression. Hein. Voilà, plus 26. Brosse, imperturbable. Ouais, du haut de ses 20 ans. Une puissance, une volonté, une force et en même temps une certaine sérénité. C'est ça qui a été impressionnant. Parce que, et sur les qualifications, pour information, elle a réalisé 217-17 de moyenne. C'est-à-dire c'est son score. Sur le classement global, elle aurait été 3e. C'est-à-dire qu'elle aurait été juste derrière Peter Knop et Julien Sermant. Pour vous dire, c'est incroyable. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, où les femmes peuvent battre les hommes. Sans problème. Au bowling. Et c'est ça qui nous plaît aussi, parce que voilà, ça développe des qualités autres que la force. Alors, si vous le permettez, petit détail technique aussi, on a beaucoup parlé des boules, mais on parlait de la jeune russe qui brosse sa chaussure. Les chaussures ont énormément évolué aussi, parce que maintenant, on a des chaussures avec des semelles interchangeables
qui vont permettre d'avoir une glisse optimale en fonction de l'état de l'approche. Donc quand vous faites vos boules d'essai, vous allez tester une ou deux semelles pour savoir quelle est la semelle qui va vous donner la meilleure glisse au moment du lâcher. Très bien. Elles ne sont pas nécessairement rouges et bleues. C'est pas facile. Ah non, non. C'est les chaussures de clown. Non, c'est des vraies chaussures de sport maintenant. Et ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte très cher, oui. Décidément. Il faut peut-être falloir démocratiser un petit peu ça pour. Je crois que c'est une bonne paire de chaussures de bowling, je crois que c'est au moins 200 euros, hein, Bruno. Oui, 200. Plus la boule, plus effectivement. Ça coûte cher. Et, vous avez, et moi, ce qui m'impressionne en observant les images de cette jeune joueuse, c'est qu'on dirait que c'est un replay, mais ce n'est pas la même boule. Voilà, du coup, c'est sûr que non. Et là, qu'est-ce qu'elle peut se dire, là? Là, elle se dit qu'elle a mal joué, mais tout simplement. Mais elle je dirais juste... bien quelque chose, mais je ne peux pas le dire à l'antenne. Ouais. Une insulte en russe, si vous connaissez le russe, allez-y. Mais... Quelle merde j'ai jeté, là. C'est ce que vous vous dites, vous, comme moi, c'est ce que je me dis, là, oui. Mais pourquoi j'ai été cette... Voilà. Mais elle parle beaucoup avec son coach. Alors là, ah oui, Sergueï Andreev, qui était joueur. Hein. C'est un ami à moi, Sergueï Andreev. Ça fait lui aussi depuis le début qu'il vient jouer cette compétition. Et il a surtout coaché les filles. Et vous voyez, elle écoute vraiment son coach. Tout ce qu'il lui dit, elle le fait. Très disciplinée aussi. C'est ce qui fait aussi leur force, hein, Maurice, à l'école russe. Parce que nous, en France, justement, on parlait de ça au niveau des équipes nationales. Et je crois que, j'en parlais avec le DTN hier au téléphone, je crois que même les joueurs américains qui sont coachés, ils n'ont pas forcément l'habitude d'être coachés sur le circuit pro, lors des championnats du monde, il y a un coach et il joue le jeu. Et vraiment, ils écoutent les consignes. Et je crois que c'est très important quand vous jouez en équipe nationale. Alors, va-t-elle se rattraper de son dernier lancer qui était moyen, on va dire ça. Oui, moyen. Mais bon, à part ça, elle a fait que des strikes. Donc, pour le moment, si la finale est gagnée, c'est grâce à elle et moins Peter. Ouais, j'ai bien regardé les yeux. Ah, son regard. Quitte pas. Ouais. Qui est là. Ouais. Effectivement, elle est obligée à la fin de regarder. Oui, bien joué. Parfait. Et même Peter est impressionné. Il le dit pas, mais il se dit, bon, je suis dans la bonne équipe. Elle pourrait presque parler des yeux bandés, jouer les yeux bandés. Enfin, sauf que, honnêtement, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Hein. Ah, la quille 9, là, pour l'Allemande. Donc, quand vous laissez les quilles du fond, la 9, c'est que la boule est un peu trop pleine sur la quille numéro 1. Donc, c'est juste un petit réglage et ces joueurs-là savent vraiment se déplacer très vite pour corriger. Qui va souvent outre-Atlantique, à Las Vegas, rencontrer les meilleurs joueurs du Senior Tour, parce que maintenant, il a plus de 50 ans, il joue chez les seniors. Là, il a fait Brooklyn Strike, comme on dit, c'est le strike à gauche. Alors, pourquoi Brooklyn? Parce qu'il y a deux ponts pour aller à Manhattan, et c'est le pont de gauche, en fait. C'est très bien. Tout simplement. Que d'expression. Ouais, c'est le Brooklyn. Aujourd'hui, sur Rangé Télé. Ouais. Et c'est un strike chanceux, hein, le Brooklyn. On n'aime pas trop quand vous jouez contre un adversaire. Si vous le battez en faisant un strike à gauche, il n'apprécie pas. On n'aime pas trop ça. Ouais. Oui, ça, c'est comme les coups grattés en tennis de table. Voilà, oui. Très jolie boule bleue foncée. Mm. Très élégante jusqu'au bout des ongles, en plus, avec rappel de la couleur sur ses ongles. C'est vrai. Mais il faut remarquer quand même que dans le sport féminin, je regardais il n'y a pas très longtemps, il y a eu des épreuves d'athlétisme, des meetings là, à Monaco. Et quand on voit les jeunes femmes au départ de leur course, elles sont toujours très très bien maquillées. C'est bien, moi, je trouve. Elles sont faites, elles restent femmes. Elles restent femmes, oui, exactement. Elle enchaîne des strikes, incroyable. Incroyable, vous avez vu ? Elle est incroyable, franchement. Quelle partie ? Vous la connaissiez avant ? Non. Et donc, on a appris à la connaître, bien sûr. Elle nous a bluffé. Donc, elle est bien évidemment automatiquement réinvitée pour la saison prochaine. Et son compatriote, hein, Nikita Kochilev, pour anecdote, travaille au Kremlin, à la sécurité. Donc, c'est quand... Bon, il a fait un strike, mais il a le temps de jouer au bowling. Hein, donc, mais il est très, très sympathique. Ah, très sympa, oui. Vraiment très sympa. Quelles sont les nations européennes qui sont au-dessus du lot ? Les Russes et... Alors, les Russes rattrapent vraiment leur retard, mais les meilleures nations européennes actuellement restent la Suède, la Finlande et le Danemark. Tous les pays nordiques. Ouais. Et ensuite, vous avez dans un pot commun, on va dire,
la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Mais les pays nordiques sont en avance. Ouais. Mais je pense qu'ils sont tout simplement plus disciplinés. Ils sont plus pragmatiques dans leur approche du jeu et beaucoup plus disciplinés. Et c'est ce qui fait la différence, tout simplement. C'est un jeu qui demande de la discipline. Énormément de discipline. Ah oui, puis je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi je me souviens dans les années 80 avoir été faire des stages en Suède avec mon ami Goran Bergendorf, qui était à l'époque le monsieur bowling en Europe. Et quand vous entrez dans un bowling, en fait vous entrez dans un gymnase où il n'y a pas de panneau de basket, mais il y a des pistes de bowling, quoi. Et vous avez vos vestiaires, il n'y a pas de boisson alcoolisée, c'est une approche totalement différente. Alors je ne sais pas, ça a peut-être évolué maintenant, hein, je ne sais pas du tout comment ça se passe, je n'y suis pas retourné depuis, mais... À l'époque, c'était comme ça, quoi. Peter qui se sera hissé quand même en finale, hein, en individuel. Et en finale du double, et qui fait le show. Mais bon, il sait qu'il a gagné le match, il est content. Hein. Ouais. Attention, Nikita, Peter, est pas un trop peu d'effort, déçu, tu vas te faire mal. Ton âge, il faut faire attention. Et Nikita, le russe, hein, doit être déçu, parce qu'il a malheureusement pas gagné cette année. Ça se lit un peu sur son visage, même si... Voilà. Ah, ça va. Ça va, mais il avait vraiment le potentiel de faire quelque chose. J'étais un peu déçu pour lui. Ah, ça, c'est la fin du match. Hein. Ce petit pas de danse caractéristique. Ah, l'IS. La fameuse 10. La fameuse 10. Ça, c'est la hantise du joueur de bowling droitier. Et la 7 pour le gaucher. Exactement. Là, c'est la vous êtes droitier ? Moi, je suis droitier. Ouais. Maurice aussi ? Oui, moi aussi, oui. Là, ils jouent ensemble, hein, ils rigolent, hein, c'est la fin. Ah, voilà. Voilà. Voilà, un petit peu de fun. Un peu de fun pour finir ce double mixte. Il doit rester une boule, je pense, pour le russe. Et donc, victoire de Daria Voronkova et Peter Knop. Pour cette première édition, hein, du double mixte, c'était la première fois qu'on le faisait. Et on le reconduira l'année prochaine. Et volonté de la Fédération internationale aussi de mettre en avant... Exactement, oui. Et nous aussi, hein, parce que voilà, la femme dans le sport doit retrouver ses droits, comme on dit. Hein. Au tennis, il y a une très belle approche d'ailleurs au tennis. Vous savez comme moi que les prix... Alors 229-166, il n'y a pas eu de photo, hein, c'était vraiment une victoire nette. Au tennis, par exemple, le tennis féminin hommes et femmes ont les mêmes prix. Ouais. Et nous, au bowling, ce n'est pas encore le cas. On aimerait bien aussi s'inspirer du tennis. Voilà la coupe au vainqueur. Remis par notre partenaire, hein, Frédéric Jean de Cubic AMF. Voilà les vainqueurs, hein, de ce premier match inaugural en double mixte. Peter Knop à gauche et Daria. Coupe, hein. Ouais. Voronkova à droite. C'est vrai que ces jeunes filles sont absolument remarquables. Très timide d'ailleurs. Quand on a eu l'occasion de discuter un peu avec elle après, elle est très très timide. Et on enchaîne sur le double messieurs, un petit résumé quand même. Bon, on les connaît, on les a vus tout à l'heure dans le Master. Alors là, vous avez Phil Hulst qui était associé à son coéquipier, hein, le Hollandais Daniel Doll, hein, qu'on n'a pas vu jouer. Il n'était pas qualifié dans les 5 meilleurs du Master, qui est un joueur très sympathique aussi. Et il jouait le Roloff. Alors, comme je n'ai pas pu vous mettre le match parce que c'était un peu long, il y a eu un score incroyable. C'était 265 égalités partout. Ah, et là, c'est le roll-off. C'est le roll-off. C'est-à-dire qu'ils vont jouer la frappe 9 et 10. D'accord. Et on voit la fin. Et malheureusement, pour, j'ai envie de vous dire, pour Phil Hulst... C'est une sorte de tie-break, en fait. C'est exactement, un tie-break. Et malheureusement, Phil Hulst n'a pas fait strike. Donc, il va faire ce spare, je pense. Juste. Tombé avec délicatesse. Et je pense qu'il va laisser la victoire... sur ce premier match à la paire française. Alors c'était une paire française et là c'est intéressant parce qu'on a Julien Serment qui a gagné Master, mais il était associé à Tony Reynier, l'Angevin que vous avez vu, vous souvenez, sur le plateau. Tony Reynier était tenant en titre, hein, il était tenant en titre du double mixte, du double pardon, et donc il jouait cette compétition associé à Julien Serment et ils ont gagné ce roll-off. C'était la demi-finale. Et maintenant, on va voir un petit bout de finale entre Tony Reynier et Julien Serment. On va arriver à la fin de ce match. Et Thibaut Larchevêque et Nikita Kochilev. Thibaut aussi qui est d'Angers, qui était associé à Nikita Kochilev pour cette finale. Dites-moi, vous avez des Angevins qui se sont frottés là au meilleur. Ça veut dire qu'il y a une possibilité peut-être de monter au plus haut niveau français, National 1, c'est un objectif ? C'est notre objectif pour la prochaine saison, oui. C'est de dire, on est passé...
cette année en National 2. Donc le but, c'était d'abord de se maintenir en National 2, ce qu'on a fait. Il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, on a fait notre dernière compétition. Donc on est maintenu. Et je pense qu'avec le potentiel de l'équipe, on a la possibilité d'accrocher la nationale, ce qui serait pour nous vraiment fantastique. Mais voilà, bon, après, il y a du monde, hein, c'est du costaud quand même. Vous c'est vous entraînez costaud. Beaucoup. Oui, oui, oui. Vous entraînez combien de fois, vous, à la semaine? Je m'entraîne 2-3 fois, oui. Et puis à côté de ça, je m'entretiens en faisant de la musculation, du vélo. D'accord, très bien. Donc si on a envie d'aller, ne serait-ce que pour essayer un soir, c'est possible avec... Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vous de problème. Ouvrez vos bras, vos pistes, sans problème, avec grand plaisir même. Très bien, c'est bon à savoir. On connaît bien sûr l'adresse au Silver Bowl de Boucouzé. Voilà, voilà. Et Thibaut, hein, l'archevêque Thibaut, qui était un peu un remplaçant de dernière minute, puisqu'il m'a remplacé moi, en fait, parce que je n'ai pas pu jouer la dernière journée. Trop de choses à faire. Organisateur et joueur. Et il a été, écoutez, pas trop déstabilisé hein, par les caméras. J'ai été assez surpris. Et Tony Régnier, quand même, voilà, qui est le tenant en titre du gaucher, Tony, oui, notre gaucher ici sur le plateau de l'Indisport. Voilà Tony Régnier. Donc gaucher, vous voyez, une boule avec beaucoup de rotation, hein, Tony. Oui, oui, oui. Et là, encore une expression américaine, c'est le baby. Le baby split. Il baby a laissé split. Le baby split. Donc c'est simple, Thierry, il faut mettre la boule entre les deux. C'est entre les deux bon. Quilles. Ça paraît simple, oui. C'est pas si simple. Alors Tony Régnier est un joueur qui a l'habitude de notre compétition, qui est très très sympathique aussi, et qui joue avec une boule, là, vous voyez, rouge, matière plastique, hein, pour faire le spare. On va voir si ça fonctionne. Parti. Et non. Malheureusement, il a laissé la quille 2. Mais ils ont de l'avance hein, sur cette finale. On a vu l'incrustation tout à l'heure hein, du score. Sur toutes les catégories. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Nikita Kochilev. Souvent placé. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il était déçu. Voilà. Il était déçu parce qu'il a fait les trois finales, double mix, double et master, ouais. Et il n'a pas pu gagner une fois. Prochaine également. Vous savez déjà qui... Il y a normalement une bonne surprise avec un joueur américain. Voilà, et donc nous réinvitons chaque année des champions en titre. Et ensuite, selon les places qui restent, on propose aux joueurs qui ont déjà participé de revenir. Et en général, ça se passe très bien, ils acceptent volontiers de revenir. Maurice, vous parlez du championnat, ça se joue de quand à quand? Sur toute une année civile ou... Oui, le championnat des clubs, ça se joue sur trois week-ends. Ah oui, donc, d'accord. Un premier week-end aux alentours du mois de mars, ensuite aux alentours du mois de juin. Et puis le dernier, là, qui a eu lieu il y a 3 semaines. Donc on a fait contre Aix-et-Ville, Aix-les-Bains et Tours. Donc pour en revenir au coût du bowling, ça fait des déplacements importants. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de frais. Tout le week-end, j'imagine, même le vendredi autour de lundi. Voilà, c'est ça. Alors ça se joue en équipe de 5, hein, chez les hommes. Donc c'est une compétition assez difficile parce qu'en équipe de 5, le rythme est très lent. On joue une boule toutes les 5 minutes pratiquement. Donc il faut rester concentré. On fait 6 matchs la première journée, donc c'est-à-dire ça représente 6 heures de jeu. Et 5 matchs la deuxième journée, 5 heures de jeu. Et bah, après, vous reprenez votre voiture et vous rentrez. Bon. Les bras un peu lourds. Et... Oui, oui. Là, on est sur la fin hein, du match. Et les Français, hein, la paire française. Hein, donc on a eu quand même du 100% français, parce que j'ai sincèrement gagné le Master, à notre grande surprise, mais il le méritait amplement. Et la paire française Tony Régnier Julien Sermin gagne le double. Donc franchement, cette année, Maurice, c'était bien pour notre pays. Oui, très très bien. Très très bien. Vraiment, ça donne un coup de boost à notre sport. Et nous avions, là, on ne voit pas l'image, mais une institution hein, pour nous qui vient chaque année, c'est Bernard Mora. Qui est assis, là, on va le voir furtivement, 84 ans, en chemise jean, là, vous voyez. Et ça nous a fait très plaisir de l'avoir. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique, qui a couvert des multitudes de Coupes du Monde de bowling en tant que journaliste. Et il nous suit toujours fidèlement, et c'est quand même super. Et vous, Bruno, vous avez encore le temps de jouer Moi, je vais jouer quelques tournois en Europe. Ouais. Et cette compétition, j'aurai plus du tout le temps de jouer, donc je vais rester dans l'organisation. Et je repartirai peut-être aux États-Unis jouer sur le tour PBA. D'ici 2 ans. Et vous êtes licencié à Monaco ? Je suis licencié à Monaco.
C'est pas mal. Et voilà le score, 208 à 171 pour les Français. Superbe. Bravo en tout cas. Compétition remarquable pour le Français Julien Serment. Et ben, on a été très heureux de vous faire vivre à toutes et à tous cette magnifique compétition, la Kubica MF, Bowling Promotion Cup, à Angers. Grâce à vous, Bruno, grâce à vous également, Maurice. On n'attend qu'une seule chose, c'est que vous reveniez la saison prochaine pour qu'il y ait peut-être encore un peu plus de monde à venir vous voir. Le bowling a encore besoin d'être promu. Exactement, et on est très content de vous avoir eu en GTD sur cette compétition, et on espère vous avoir l'année prochaine. Ah bah ça sera avec un réel plaisir. En tout cas, ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a appris plein de mots sympas. On connaissait tous, enfin, je connaissais le strike, le spare, mais il y a plein d'autres expressions très sympas. Et puis comme c'est un sport qu'on a tous pratiqué au moins une fois, j'imagine qu'on a donné envie à plein d'Angevins d'aller faire un petit tour au Silver Bowl de Beaucouzé. Pourquoi pas pour aller vous voir jouer, Maurice, et pour peut-être prendre des cours avec vous. Ah oui, mais de toute façon, il n'y aura pas que moi à voir jouer, parce que j'ai plein de copains qui jouent très très bien. Il y avait d'ailleurs un joueur là, dont on n'a pas parlé, Thierry Barraud, qui est un joueur très spectaculaire aussi, qui participait à la compétition. Et c'est vrai que vous êtes tous les bienvenus pour venir jouer au bowling. On vous prendra en main, on vous expliquera un peu les secrets de notre sport. Et comme l'a dit Bruno tout à l'heure, un grand merci à vous, parce que c'est très sympa de nous avoir soutenus dans cette manifestation. Merci à vous, en tout cas, Bruno. Merci. Et Maurice. À très vite sur Angers Télé. Au revoir. Au revoir.